thank <laughs> you Salut à tous, c'est Sturry, bienvenue pour ce nouvel épisode de mon incroyable carrière sur Total Extreme Wrestling 2016. Toujours avec la en 1997, c'est le mois d'août, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, hein il fait chaud chez vous Les amis, vous êtes confinés Nous aussi Oh Et euh, je commence cet épisode déjà en m'excusant. Parce que bah, j'aimerais faire un point, allez hop, clac, on est parti. C'est déjà vous êtes contents, parce que c'est un épisode de TEW et le dernier remonte à il y a deux semaines. J'ai pas été sérieux sur TEW, je m'en excuse. Euh, J'ai Même quand je vous ai fait des annonces sur Twitch il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, tu as vu, je suis retourné vachement longtemps hein, sur Twitch. C'est assez complexe. Euh, J'ai du mal à organiser mon temps. Ah, mais ouais, 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 ouais parce que euh, bah mine de rien, le fait d'avoir beaucoup couvert l'actu, ça m'a pris du temps. J'avoue, ça me fait du bien aussi de me reposer. Parce que, euh, bah voilà, vous êtes peut-être pas sans savoir, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne CSL Catch. Je suis pas quelqu'un qui a la meilleure des santé <laughs> et arrivé le mois d'avril, je suis en galère grave euh, toujours avec mes, mes allergies, mon asthme et tous ces saloperies qui vont avec et surtout en cette période, t'as envie de faire gaffe. T'as envie de faire gaffe le plus possible. Donc je m'en excuse si je donne pas suffisamment de mon temps à la chaîne C'est Catch, euh, mais voilà, je suis partagé un petit peu entre cette rancœur de vous avoir annoncé beaucoup de choses et finalement de ne pas les tenir. Et là, est-ce que on ne sait pas Est-ce que c'est le dernier épisode de TEW J'espère pas. Euh, parce que TEW 2020, on y jouera dès euh, la sortie euh, en preview, access. Euh, parce que le 23 avril, vous le savez, il y a la version bêta de TEW qui sort a priori, d'après ce que j'ai lu euh, sur les rapports, le, le journal de développement d'Adam Ryland, euh, la bêta sera gratuite. Parce que ça sera un mode trial. Comme ils l'ont fait à l'époque pour TEW 2016, il y a une version gratuite, où vous pouvez jouer deux mois de n'importe quel scénario, n'importe quelle structure, etc. Donc le 23 sera mis en ligne la version démo de TEW 2020. Après le 30, ça sera la version définitive. Euh, il y aura la possibilité d'adapter des. Euh, des modes sur le jeu. Donc ça c'est chouette. Parce que par exemple, ce mode-là pourra être adapté. Ce qui fait peur dans l'adaptation potentielle. Parce que la question bah, longtemps a longtemps été posée est-ce que tu vas pouvoir modérer ta partie en cours de TEW euh, avec l'AECW sur la version 2020 C'est pas encore dit, parce que euh, notamment au niveau des stats des catcheurs, ça peut créer une espèce de gros déséquilibre. Parce que le truc va rechercher beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de données ils ont rééquilibré beaucoup de choses au niveau de, de la gestion de l'ordinateur et les anciennes databases ne vont pas être euh, purement adaptables sur la nouvelle version de TEW. On peut le faire mais l'expérience de jeu sera altérée. Elle sera pas aussi authentique qu'on peut l'avoir là sur TW 2016. Donc pareil, il va falloir attendre que des bonnes euh, databases, des bonnes euh, bases de données créées par les utilisateurs euh, voient le jour pour que l'expérience du jeu de TW 2020 soit vraiment et purement profitable. Donc on fera des tests, on ira regarder ça, et je pense qu'on le fera justement euh, sur Twitch, peut-être qu'on en fera un condensé qui sortira après sur YouTube. Euh, donc ça... Ça je m'y engage parce que ça m'intéresse énormément bien entendu d'aller découvrir TEW 2020 avec vous en, en direct. Euh, donc ça promis, ça on le fera sur Twitch, je sais pas si on le fera dès dès le 23, mais euh, on le fera vraiment dans les jours qui vont suivre et ça va être quelque chose de, de plutôt, euh, plutôt chouette à faire. Euh, et si en effet on a la possibilité d'adapter des sauvegardes de TEW 2016 vers TEW 2020, peut-être que cette partie je la continuerai sur TEW 2020. Découvrira tout ça. Pour l'instant, beaucoup de flou. Et encore une fois, désolé, parce que même le projet que j'avais de faire euh, une grande partie sur TEW, sur Twitch, avec vous, euh, en prenant une structure, la France, bac à sable, je sais que beaucoup d'entre vous étaient hyper enthousiastes. Ça, sans décoller en termes de, de timing, ça va être un peu complexe. Et puis quand je joue à TEW, là, vous, vous voyez un rendu de deux heures. Vu que je boucle les matchs, vu que je réfléchis à plein de trucs, ça me prend grosso modo 3-4 heures. Bon, 3-4 heures dans une journée, surtout là en ce moment, c'est pas. Surtout là, en ce moment, vous me dites, t'as le temps, tu tuerie. Mais c'est prenant. C'est assez, euh, assez complexe. Et euh, voilà, je me préserve aussi un petit peu. Je me repose, je regarde regarder du jeu 4. J'essaye aussi de trouver des, mom des moments pour euh, me divertir avec euh, euh, des choses qui me font pas trop penser. Euh, et je pense qu'on fait un peu tous pareil aussi, tu vois. C'est pas, pas hyper simple. Hein. C'est pas toujours euh, super simple de, de trouver le courage, de trouver la passion. Là, hier, j'ai commenté euh, le show Atlas. Je sais pas si vous êtes pas sans savoir si... Euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous me suivez sur, euh, sur Twitter, euh, Atlas Wrestling Club, qui est une compagnie, une structure française, euh, donc qui a plus de boulot, comme toutes les structures en France, euh, m'ont envoyé un de leurs shows, ils m'ont envoyé leur dernier show, qu'ils ont fait le 17 novembre, Atlas, euh, destination partie 1. Le show est super, voilà, et ça va être un grand plaisir vous amener les images sur la chaîne. Et il euh, n'y a pas de commentaires. Donc je me suis arrangé, j'ai dit euh, aux responsables, j'ai fait écouter les mecs, je vous commente les images. Je vous commente le truc parce que ça va être cool pour tout le monde. Je vais pouvoir essayer de faire des liens, des ponts pour donner aussi envie, tu vois, à la communauté de Cécile Catch de vous intéresser, de s'intéresser à vos catchers. Le show dure une heure et demie, même un peu moins. C'était euh, prenant à fond la caisse d'enregistrer ça. J'étais lessivé, épuisé, après avoir euh, commenté ça, parce que c'était tellement cool à faire. Euh, c'est pas simple, c'est la première fois que je commente un show seul. J'ai Enfin... Euh, moi, mais mon expérience de commenter des shows en post-production, c'était voilà, des trucs sur WWE 2K, mais encore, tu sors, tu sors du café, puis tu dis des conneries, tout ça. Euh, J'ai commenté une fois à la télé, vous le savez, pour All Twistling, euh, pour l'épisode numéro 10, qui est présent, qui est disponible sur la chaîne Tout Si vous n'avez pas été l'écouter, allez voir. Mais j'étais avec Allémy Strangelo. Donc, c'est bien, quand tu commentes avec quelqu'un, de pouvoir un peu te reposer, te reposer sur la personne, par moment, tu vois, pour réfléchir à ce que tu vas dire ou tu vas amener ta réflexion quand tu commentes. Enfin, bref. Commenter seul... C'est un putain de parcours, c'est incroyable, et je suis hyper heureux parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai commenté d'une prise, avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup d'enthousiasme. Le show, je vous le dis, là vous le savez comme ça en exclusivité, si vous suivez cet épisode euh, de Atlas, sera euh, diffusé le samedi, pardon, le dimanche euh, 26 avril, date à laquelle ils devaient normalement tenir leur show. Euh, je crois que c'est Atlas Act 2, avec notamment la présence euh, potentielle, enfin même potentielle, c'était même sûr, ils avaient annoncé David Starr. Pour le show qui devait affronter euh, Rick Salem, euh, malheureusement, le show vous, vous en doutez bien ne pourra pas avoir lieu. Et ben, à la place, il y aura ce show qui sera diffusé sur la chaîne CSL Gatch. Allez, porter beaucoup d'amour euh, à Atlas Wessing Club parce qu'ils font quelque chose de très intéressant. Un peu, euh, c'est très intimiste parce qu'ils n'ont pas un gros public. Il y avait peut-être, allez, euh, dans le public, il y avait peut-être pas 100 personnes, mais c'est très ambiance euh, catch indépendant. Si vous suivez des compagnies comme euh, voilà, bon, Pro Wrestling RIA, c'est un autre exemple, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans, dans leur salle, euh, mais je sais pas, par exemple, Game Changer Wrestling, ou euh, certains shows, tu vois, euh, un peu académique de WXW. Il y a ce sentiment-là, quelque chose que j'adore, moi, dans le catch indépendant, à côté un peu brut, authentique, et une excellente euh, production vidéo. Alors là, par contre, je pense que j'ai jamais vu une production vidéo aussi euh, chouette euh, sur un show. Les images sont belles. Euh, les caméras de base sont très très bonnes, la post-production a été euh, impeccable, euh, un plaisir, voilà. Et euh, ça, ça sera le 26 avril à 17h et euh, vous pouvez tout de suite aller euh, apporter de l'amour à Atlas Wrestling Club. Je suis très content euh, qu'il m'ait contacté pour, euh, pour faire ça. En plus, voilà, ça sera l'occasion aussi de vous faire découvrir plein de catcheurs, voilà, et pas seulement des catcheurs français, parce que euh, ils ont euh, des internationaux qui sont venus euh, sur le show. Il y a catcheur anglais Maverick mayou il y a le frère de Pit Dunn, le chef député Dunn. Damien Dunn qui est présent, qui affronte Christian Hume, Le Surrealiste. Il y a Scotty Davis, voilà, présent plus, catcheur irlandais, un prodige Scotty Davis. Et il euh, y a, et ça c'est une belle découverte, je pense que, que vous pourrez faire, un catcheur qui s'appelle Nico Angelo, qui est un catcheur gallois, euh, qui, est, euh, qui a été formé par euh, Mark Andrews et euh, Wildbore euh, au Pays de Galles, et qui est, euh, qui est très intéressant, qui affronte Aigle Blanc, c'est le main event. C'est super, voilà. Et tout ça, 26 avril, les mecs, euh, instant promo terminé. Euh, mais comme je vous dis, voilà, ça m'a euh, lessivé. Voilà, 8 minutes euh, d'introduction pour cet épisode où on n'a absolument pas joué à TEW, vous m'avez peut-être écouté religieusement, vous avez peut-être avancé, vous avez peut-être squeezé... Bref, peu importe, je vous ai un petit peu parlé de moi, ça me fait du bien de parler un peu de moi, et euh, je vous... Par... Tiens, deuxième instant promo, pour tous les gens qui ont souscrit à la chaîne CSL4, je, fais, je prépare, euh, là, dans les jours à venir, la FAQ, journal de bord numéro 3, celui du mois d'avril, donc n'hésitez pas, venez poser vos questions, et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, il y a un petit bouton euh, souscrire, voilà, pour euh, 4,99€ par mois. Vous pouvez venir euh, soutenir la chaîne CSL Catch et tous les mois, je vous fais une espèce de FAQ euh, exclusive qui dure entre 1h30 et 2h et qui, euh, voilà, revient un petit peu sur euh, l'avancée, les projets de la chaîne CSL Catch. Comme vous êtes un peu les actionnaires, euh, normal que vous ayez un petit, euh, un petit bonus. Euh, mais pour autant, tout le contenu principal de la chaîne CSL Catch, je le rassure, reste évidemment gratuit, euh, bien sûr. Enfin. Évidemment. Euh, allez, euh, on est parti. Lighted King qui a des problèmes de morale. C'était la question. Alors, je vous ai posé plein de questions pendant tout cet épisode et j'ai justement pris euh, tous vos commentaires. Généralement, au niveau de vos commentaires, vous m'avez tous dit Lighted Kid, vire-le ou garde-le. Et finalement, je pense que, après pas mal de réflexions, pour corser aussi un petit peu la partie, je vais garder le Lighted Kid. Je vais le garder. Je vais voir. On va continuer de lui faire faire peut-être des jobs euh, à Hardcore TV, mais je vais le garder. Il y a aussi un incroyable fail. Je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver ça. Voilà, il y a Selouj Now 2.0 qui me l'a écrit là et fail incroyable. King Kong Bundy dans ta partie est mort, donc c'est normal que le titre, je crois qu'il était le champion européen, était vacant. Tu sais, quand j'ai fait un petit tour dans, le, dans les championnats en disant Tiens, Intel, il a remporté un championnat vacant du côté de WWF. Bah oui, parce que l'actuel détenteur, c'était King Kong Bundy. Et j'avais totalement oublié que le mec était décédé à l'épisode précédent. Ce fail de, de la folie. Hein. Mais merci, en tout cas, merci de me l'avoir remar fait remarquer. Et généralement, vous êtes plutôt pour, bien sûr, pour la signature des Steiner Brothers euh, pour affronter les Dudley Boys. Alors, ça m'a donné plein d'idées, la signature des Dudley Boys. Euh, la signature des Steiner Brothers pour donner de la compétition aux Dudley Boys pour aller chercher des équipes un peu soudées, un peu fraîches. Et donc, une euh, première chose, on va peut-être pas signer les Steiner tout de suite. Je vais vous montrer un truc euh, très important. Et d'ailleurs, vous me l'avez dit, on a un partenariat avec WWF. Je sais pas exactement comment ça se passe parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire des talents, des échanges de talents avec WWF. Mais je me suis dit, quitte à aller chercher une bonne équipe de chez WWF qui pourrait être des bons babyface face aux Dudley Boys, et si j'essayais de leur demander en prêt les Smoking Guns. Il me semble par contre. Si je dis pas de bêtises, que les Smoking Guns sont peut-être les champions par équipe actuels de WWF. Et ça, ce serait euh, loin d'être banal. Alors attends, WWF, c'est ici. Ok, popularité, tout va bien. Bon, ouais, voilà. on sélectionne WWF. Voilà, je clique là. Très bien. Euh, titles, qui sont les champions par équipe C'est les Smoking Guns. On va essayer de recruter les Smoking Guns, les avoir en prêt. Et voir comment ça peut se négocier, comment on peut obtenir les Smoking Guns en prêt de la part de WWF pour quelques apparitions et au moins euh, avoir la possibilité de faire ce match entre eux et les Dudley Boys. Comment ça peut se passer On est au début du mois d'août, euh, l'argent ça va très très bien, on n'est pas WWE actuellement. Voilà, moi si je vire des gens c'est pour des problèmes de comportement ou des euh, soucis narratifs. En cette période, moi je suis plutôt le genre de mec à filer 5000 dollars à tout le monde. Voilà, vous avez bien compris ça. Bon, on va pas virer tout le monde, justement. On va demander des prêts, des emprunts euh, talent trades. C'est ici. Voilà, WWF. Si je veux recruter, alors je peux pas les faire en même temps, je suis obligé de les faire l'un après l'autre. On va commencer par Bart Gun. Vous voyez que si je lui demande si je demande Bar juste pour une apparition, ça coûte 6600 dollars. C'est hallucinamment cher. En revanche. Tu peux recruter un mec, lui demander d'apparaître de pendant 10, 10 fois. Et là, ça fait revenir son prix à 990$. Le problème, et ça je l'avais déjà vérifié, c'est que. Oui, bah là déjà j'offre rien en échange, mais même si j'offre un catcher en échange, WWF va me dire non, je ne peux pas vous prêter euh, ce catcher pour 10 fois. En revanche, il limite les apparitions à 5 fois. 1500 dollars pour Bart Gun, par apparence. C'est pas si décollant. C'est pas si déconnant. Pas si déconnant. Hein, au vu du prestige du mec de ce qu'ils peuvent apporter notamment en termes de catch par équipe dans cette division, c'est pas déconnant. En revanche, on va me demander des catcheurs en échange. 1 ou 2 ou 10 ou 13 ou peu importe. J'ai fait un petit tour de ma liste et, par exemple, les pitbulls, je vais pas trop les utiliser là pour le moment. Je vais essayer de leur larguer des pitbulls, l'un après l'autre ou peut-être les deux en même temps. Euh, je vais essayer, là, je vais mettre Gary Wolf, par exemple. Gary Wolf, ok. Et on va regarder, je peux peut-être rajouter de l'argent. On va voir qu'est-ce que WWF me répond. Alors, ils rejettent mon offre parce qu'ils pensent que ce que je leur offre n'est pas assez fort. Alors, si je, mets, je veux pas mettre Gary Wolf et Bull Buster, je vais peut-être mettre Gary Wolf et un mec que je vais peut-être pas utiliser là dans les jours à venir. Je vais peut-être laisser un peu de côté. Euh, peut-être pour faire du job, j'en sais rien. Si je leur filais, j'en sais rien. On va essayer de leur filer. Euh, Steve, Steve Corino. Est-ce qu'ils acceptent Steve Corino c'est accepté. Donc, par exemple, un Pitbull, un mec que j'utilise moins. Ok. D'il accepte, je peux avoir de bargain pour 5 apparitions. Yes Trade has been completed. Donc, si je vais dans mon roster, j'ai Bart Gunn, pas de problème. On va regarder push recommandé, upper de carder, donc c'est très bien, ça me va bien. Et on va aller faire la même chose pour Billy Gunn. Billy Gunn talent trades, hop WWF euh, en échange de Billy Gunn. Moi, je veux Billy Gunn désormais. Billy Gunn, voilà, pour cinq apparitions. Ça me coûte un peu plus cher parce que Billy Gunn il est meilleur, hein, 2232 dollars. Ok, je leur file Mad Bullbuster. Alors Mad Bullbuster, ok, Mike offer qu'est-ce que ça dit Non, parce qu'il va vouloir qu'un petit truc en plus. On va rajouter une petite merde à côté. Alors attention, petite merde en tout bien tout honneur. Hein. Hein, voilà, allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Jones en dit que j'utilise pas beaucoup en ce moment, qui peut-être très intéressant au niveau des matchs hardcore. Attends, je peux peut-être leur filer plutôt Cry Justice à la place. Leur filer à bis, on va leur filer à, on va leur filer à Le deal est accepté. Ok, complète de trade, trade complete. Ok, j'ai donc les smoking guns pour 5 apparitions au courant du mois. Ça tombe bien parce qu'on a 4 shows télé et un pay-per-view. Ça fait que je peux les avoir pendant un mois complet. Et voilà, donc on va pouvoir faire une storyline avec les. Les, les, les smoking guns pour euh, cette semaine et ça va être en effet très intéressant. Donc tu vois Polyman qui dit ok on va aller chercher des talents des équipes à côté, je ramène les smoking guns contre les Dudley Boys pour cet épisode numéro 33. Pas mal la vie, pas mal ça, ça vous, fait, ça vous fait rêver les smoking guns contre les Dudley Boys, ça a jamais été fait. T'imagines en 97, bon les smoking guns en 97 ils n'existent plus, on est d'accord, mais dans le jeu ils existent encore. C'est quand même classe non Non Bon et eh ben allez, on envoie le rêve. Le show débute super bien. Et eh ouais, le premier court TV, c'est vrai qu'il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'incident backstage, on est euh, dans le Mid-Atlantique. Voilà, devant 6700 personnes, c'est ce pas mal, ce qui est pas mal. On attend aussi, j'ai oublié d'en parler, hein, les débuts prochainement de Stone Cold Steve Austin, hein, de retour, hein, ça a été notre belle signature de la fin du dernier épisode. Il va revenir Stone Cold Steve Austin. Mais là, on commence déjà le show de manière fantastique. Je pense qu'on va avoir un de nos meilleurs shows. Euh, 87 pour ce rating, puisque Brian Alpinman, qui vient parler de Raven, Raven n'est pas là. Euh, se fait challenger par Edge et Christian, Sexton At Castle et Christian Cage. Sexton At Castle qui lui dit écoute tu parles beaucoup mec, tu parles mal de Raven, je te challenge pour un match. Je suis sûr que je suis capable de te battre. Pff, Pillman ok pas de problème challenge accepté juste ça tu vois imagine Pillman contre Sextor At Castle c'est super comme idée bah ben, ça sera ce soir euh, le main event de carrément le main event de l'épisode Sexton At Castle contre Brian Pillman. 87, Christian Cage qui encourage son pote, tout va bien. Le Sandman contre Spike Dudley pour euh, cet opener dans un match décent. Le Sandman va battre Spike Dudley dans ce match hardcore euh, après la rochette de l'ex-sweep qui me fait un 72, un très correct 72 puisque Spike Dudley n'est pas un mauvais catcheur en hardcore donc on va essayer de l'exploiter à ce niveau-là. Euh, le Sandman fait une super note de 79, Spike Dudley un 39. Le match rend le, la foule shot, par contre les deux catcheurs sont office game, ils sont pas terribles, ils sont pas au meilleur de leur forme. Ils auraient pu faire mieux. Ça aurait pu être mieux, imagine. C'est déjà pas mal. Euh, ensuite, Jenna jabson Rob Vordam, Backstage segment. Qu'est-ce qui se passe? Euh, Kurt euh, Va catcher ce soir. Voilà. Tommy Dreamer est pas là. Je vous rappelle que Taz et Vader euh, sont euh, suspendus. Euh, et Kurtenig veut continuer à faire valoir euh, sa parole, son visage comme le catcher, tu vois, supérieur à la ECW, le vrai visage de la, SW, la ECW. Donc Jada Jackson va donner une opportunité à un catcheur un peu revu en, en ce moment, Robert Burnham qui a fait son retour pour l'affronter dans un match 1 contre 1. Ça fait un peu perdre de la hit à la storyline avec Tommy Dreamer, qu'on verra pas ce soir, mais je me dis, voilà, un mal pour un bien, puisqu'on va proposer un petit combat plutôt sympathique pour le championnat ECW, tant qu'à faire, on va le mettre en jeu, mais tu vois, mid-card <laughs> Mid-card dans Ryan Pillman, c'est hot. Euh, match pour la déconne. La grosse déconne qui me fait qu'un 57, mais finalement un 57 que je trouve pas si mauvais, pas si con. Ça dure que 7 minutes. Il faut un petit peu, voilà, euh, souffler hein, dans un show de catch. Euh, les Karatechno vont battre Moore Voilà. Petite victoire pour ma petite équipe Karatechno. Dans un match qui est du d catch pas beaucoup de hits forcément. Karatechno gagne le match en 7 minutes. Quand Doug Gilbert bat Shannon Moore par pitfall. Avec des tactiques euh, pas forcément... Euh... Très recommandé. Un petit peu dans la corde, on tire le pantalon, voilà. Euh, Beef Buff, mais belle, expé belle expérience montrée. Enfin, belle cohésion, belle chemistry, plutôt, entre les deux membres de, Kama de Karatechno. C'est ce qui me fait plaisir. La meilleure, match, la meilleure note, pardon, elle est pour Doug Gilbert. Chen fait un 55. Le Techno Kid est en dessous de tout le monde, un hein, 39. Bon, ça va venir, le Techno Kid, ne vous inquiétez pas. On va donner le temps. Kurt contre Rob Vandam, figure-toi, dans la mid me fait une incroyable note de 82. Superbe note. Pas de problème. Impeccable. Dans un match qui a eu du superbe catch et de la très bonne huit, Henning bat Rob Vordem dans ce classique CW Rules match en 11 minutes 13, qui est loin d'être décollant, euh, en utilisant également euh, les cordes euh, pour euh, remporter le match. Pas une victoire clean, une victoire de filou, euh, pas trop courte, voilà, pas trop longue, euh, pour pas rendre le truc non plus trop épique, mais de la bonne action donnée au public. 82 belle note, euh, qui va me permettre peut-être de renouveler cette expérience et d'utiliser Rob Vandem un petit peu. En tant que catcheur qui va donner des bonnes rencontres à Kurt Ening, euh, et en faisant monter, tu vois, la, la cote de sympathie derrière de Toby Dreamer. Parce que, voilà, on va jouer du fait qu'il y ait eu cette injustice pendant ce match pour euh, faire une revanche entre Rob Van Damme et Kurt Henning en weekly et impliquer Tommy Dreamer dans le bordel. Ça me fait de très très bon travail. 82, c'est une excellente note, ça fait partie de nos meilleurs matchs. Euh, Kurt Ening, 88, euh, Rob Vordem, 78. Parfait, ça me va très bien. Derrière, gros segment, là encore, t'imagines les notes 93. Paul Heyman a trouvé une équipe. Bon, vous êtes spoilés, vous savez de quelle équipe on parle, mais euh, voilà, il va dire aux Dudley Boys J'ai trouvé une équipe, rendez-vous à la fin de l'émission. Vous allez au ring et vous allez découvrir qui euh, seront vos prochains challengers. Tout va très bien dans ce segment, tout va très bien, et ça démarre d'ailleurs une historienne qui s'appelle Best Active in the World, euh, qui va, je pense, beaucoup euh, vous plaire. Très bien, impeccable. 93, gros segment. Chris Benoit va mettre le Lightning Kid dans un match quand même qui va durer 14 minutes 47. On occupe un petit peu le, le temps d'antenne. Euh, voilà le Lightning Kid qui prend un job. Chris Benoit qui continue à être over, pas de soucis. Euh, ça fait un match décent, tu vois, 76. On se repose un petit peu. Ça me permet de caser un petit peu mon truc storytelling. Et derrière, le match normalement euh, suivant, c'est le main event. C'est Billy Kidman. Euh, pardon, c'est Billy Kidman. Euh, c'est euh, Sexton at Castle et Christian Cage qui, doivent, voilà, qui vont au ring pour aller affronter Brian Pillman. Sauf que les équipes vont se croiser. Malenko, Benoît, Malenko forcément qui était aux abords du ring pour Benoît, tout comme Bulaman et Kikoti, Les équipes se croisent, il y a un petit peu de tension avec tout le monde. Voilà. C'est un segment que j'ai fait 3 minutes, parce que ça m'aidera un petit peu pour la suite. Euh, au moins, tu vois, je sème des... des petites graines que je pourrais réutiliser pour les semaines à venir. Les gens se croisent, 74, ça me va derrière. Le match entre Sexton Hard et Brian Pillman me fait un très très bon 81. On aurait peut-être pu s'attendre un petit peu plus, mais 81, c'est un excellent main event. Dans un match qui a eu du superbe catch et de la très bonne huit, Brian Pillman bat Sexton Hardcastle euh, avec le R Pillman. Victoire clean, bien sûr, victoire clean pour Brian Pillman, euh, qui est quand même voilà le plus fort des deux. Mais il faut quand même noter que les deux mecs font une très bonne note de 78. C'est-à-dire que Sexton Hardcastle, même en solo, est capable d'aller euh, faire des merveilles. Tu le mets en texte, Sexton Hardcastle avec Christian, c'est super. Mais là, c'est loin d'être déconnant. Pas mal du tout enfin le main event le dernier segment et eh bah ben, je suis déçu ça fait pas un segment euh, incroyablement fort j'aurais peut-être dû rajouter la présence de Paul Heyman pour aider euh, les Dudley Boys et les Spocking Guns se font, face dans, se, se font face dans un gros face-off voilà entre les deux équipes ça me fait que 71 je me serais attendu à quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, épique en tout cas pour les fans de la ECW t'imagines en réalité les fans de la SW, ils doivent pas du tout tirer euh, Billy Gun et Bart Gun ça doit être les heals, euh, en réalité dans l'histoire mais je les utilise en face. Je les utilise en face. Imagine la, la, la réaction du public de la SW, voir les champions WWF débarquer. Et qui viennent en plus pour faire les baby qui vont rester avec les sourires et tout. Alors que les Dudleys sont censés, tu vois, être les plus gros heels de la promotion. Tu vois où je vais en venir Hein T'as une petite idée d'où on va en venir Bon. Euh, ça fait 71, je me serais attendu à beaucoup mieux. Euh, Bart Gunn performe pauvrement dans ce segment. Donc ok. Euh, D'ailleurs, ça Gibby Getting Stale, ok. Ok, donc il va peut-être falloir travailler euh, là-dessus. Dudley euh, a l'air cool. Euh, je vais regarder un petit peu les notes qui pénalisent ce segment. Non, voilà, il n'y a pas grand-chose qui pénalise. Bon, faible expérience de la table des commentateurs, ça, euh, on s'y fait déjà depuis quelques semaines. Tout est plutôt bien, mais ça me fait que 61. J'aurais dû rajouter Polyman. Peut-être une erreur de ma part. Fin du show, un show qui me fait une très bonne note de 82. Bon, c'est parfait. Dans l'idée, voilà, on va, on va penser que le main event, euh, ben, le segment final était super. Je suis un peu déçu. Alors qu'on voit le beau profil de mentor, voilà, Bruiser Mastino euh, qui incarnait euh, mentor. Euh, des petits messages, mais attention, qu'est-ce qui se passe euh, Extension, alors euh, extension de contrat pour Gorilla euh, monsoon Voilà, tant qu'il ne décède pas, moi ça me va bien. 1.97 de rating, c'est super. La WWF qui a proposé voilà, une extension de contrat pour euh, le Goodfather, pas de soucis. Euh, Megumi Kudo. Megumi euh, Kudo, les amis, euh, qui est. qui est pas signée, hein, c'est vrai. Megumi Kudo, si. Euh, voilà, record, la 78. Si j'avais une division féminine, elle serait euh, number one chez nous. Euh, ce qui est compliqué, c'est que vis-à-vis de la ECW, de la qualité de la production, je ne peux pas l'utiliser pour des matchs mixtes, Parce que ça, ça va me retomber sur la gueule. Ça, voilà. la... la structure est pas suffisamment progressive pour, pour pouvoir oser faire ce genre de choses sinon mes Kumikudo je mes mais grave quoi grave et la CWA on fait une offre à Mark Calloway mais il va pas accepter il est loyal tout WWF il va pas accepter ça view rivals offer attends on voit pas l'offre de, de la CWA C'est dommage c'est bien dommage de bon, toute façon, ils vont tous sortir un mur, hein, s'ils font des offres euh, à l'Undertaker. Ok, et je suis en contract negotiation. Voilà, on fait des petites recrues, ça vous plaira pour XTV. Je vais proposer un contrat à Ron Killings. Je sais que ça vous fera plaisir d'avoir Arthrous dans la compagnie. Ron Killings, complète contrat, voilà, qui va venir en tant que babyface pour euh, essayer de s'acclimater un petit peu au style. Voilà. Allez, on poursuit. Le petit show XTV pour la déconne de la semaine avec une confrontation avec Rob Vordam et Chavo Guerrero qui s'affronteront dans le main-event qui fait 68, voilà, qui est euh, honnête, euh, pas de problème, voilà, euh, Alstom et Pain en pré-interview qui font de la merde, 48, c'est que moi la con, voilà, pff, a pas marché, voilà, il y a 1400 personnes au MD Richie Coliseum, on est encore dans mid Atlantique alors, ok euh, Ce qui pas mal, 1400 personnes pour XTV. Voilà, on a fait des 700 personnes pendant combien de temps euh... Some Bastard Dudes contre Danny Doring et Def pour la décode 47. Pas terrible. Match le pauvre. Euh... Les bastards ont battu euh, Danny Doring et Def Finlay 7 minutes 30. Quand Danny Doring gagne le match par... avec une powerbomb. Danny Doring et weakling, forcément. Bon. Euh... Il est vraiment pas bon. Il est pas, pas bien bon. Pas, pas bien fort. Euh... Angle avec Stevie Richards et le Techno Kid 52. D'accord, ok. Euh, juste un angle. De toute façon, c'est l'autobooker hein, qui fait quasiment tout. Donc, euh, moi, j'ai juste 2-3 juste conneries. Et... et après, voilà, je le laisse se démerder. Morehams contre les Pitbulls. Dans un match qui a eu descente. Alors, oui, c'est vrai que les 4 shorts que j'ai prêtés, je peux encore les utiliser, en fait. Ah, ouais, ils sont prêtés à WWF. Donc, eux, ils peuvent les utiliser comme ils veulent. Mais moi, je peux encore les utiliser, vu que c'est un, un, un système de prêt et d'échange. Donc, s'ils sont dispo, ils peuvent bosser pour nous. Donc, euh, en fait, ça me. C'est bien ce système, on va peut-être pouvoir utiliser plus de catcheurs de WWF comme ça. On va peut-être faire des affiches de légende. Et donner de, 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 du pouvoir à nos catcheurs si pour recruter Sean Michael, j'en sais rien. Bon, je pense que là, il va falloir allonger de la grosse tunasse euh, pour pouvoir le faire. Donc, pas beaucoup de hits. Les Pitbulls, Batmurriam. J'avais peur qu'ils perdent les Pitbulls, mais non, quand même pas, faut pas déconner. 66, honnête. Kid Cash contre Spike Dudley. Classique CW Rules Match. Pas beaucoup de hits. Kid Cash qui gagne, qui continue de. D'entretenir le momentum. Euh... Ah oui, Kid Cash est blessé apparemment. Oui, Kid Cash boss blessé. Dommage. Euh... Et me... Rob Van Damme contre Chavo Guerrero, ça me fait un excellent 82. Alors là, les mecs, waouh Un 82 à XTV avec Rob Van Damme contre Chavo Guerrero. Alors Rob Van Damme me fait des petites merveilles. Il est capable de tirer le meilleur de plein de catcheurs. Chavo Guerrero qui va se faire un nom avec ce genre de, de... de combat. Et je redonne du momentum à Rob Van Damme, que je veux pas foutre au chiottes évidemment parce que bon et là il est parti pour perdre je pense deux trois matchs contre Kurt euh, mais là c'est très intéressant ce 82 qui, qui sort de nulle part qui me met un peu sur le huc. pas mal et puis Chavo Guerrero on sait que c'est pas un mauvais catcher mais il fait un très bon 68 ça c'est bien 69 ok pas assez de femmes attractives sur le show une pour 17 euh, c'est vrai qu'il y a Lady Alexandra qui bosse désormais avec Kit Cash euh, il faudrait que j'amène d'autres filles sur, sur ce show euh, clairement. Ok, on va essayer de, de remédier à ça. Oh Oh <laughs> Ah oui Oh, c'est bien ça Toshiaki Kawada, peut-être l'un des meilleurs catcheurs de la planète. Euh, surtout en 97. ouais, allez, 97, on arrive vers la fin de... du meilleur catcher de la planète. Euh, relâché par New Japan Pro Wrestling. Pour aucune raison, on ne pas pourquoi. Voilà, là, on va aller voir ça de plus près. Euh, Toshiaki Kawada qui a 72 en Brawl, 75 en chain wrestling, euh, basique psychologie des notes de fifou, qu'est-ce qui se passe Star Quality 70, Super Babyface, Super Heal dans tous les sens, bon, barrière de la langue, Évi évidemment, euh, Twisted quand même 67, Mid Atlantic 68, bon, la popularité au Japon c'est un truc de malade, il a de la popularité partout en plus ce garçon, mais, mais pourquoi vous l'avez relâché Qu'est-ce qui se passe Considéré comme toxique Ah, attends. Toshiak est co considéré comme toxique après un scandale avec, avec l'utilisation de qui a été révélée. Attends, 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 quoi la tendance level sponsorship revenu Oh merde En fait, il a été relâché parce qu'il y a eu un scandale autour de lui. Qu'est-ce qui vient de se passer Toshiaki Kawada scandale. Une major story Toshiaki Kawada, une serious trouble after Oh la vache Tati Patata, elle a, révé a été révélée il y a quelques heures. Euh, major Kova, ok, ok. 33 ans, putain, est considéré comme toxique désormais. Oh merde! Oh la vache! Et il a été dans la foulée euh, viré par New Japan Pro Wrestling. Toshiaki euh, Kawada, considéré comme le sixième meilleur catcheur de la planète. Waouh! Wow ouais, Waouh, le truc! Et Moi, là, je suis content. Je me dis, putain, Toshiaki Kawada, carrément, on va pouvoir euh, faire des putains de matchs. Ah ouais mais il a pas été viré sans raison quoi. Oh ah bah ok bon bah voilà c'est ça le catch hein. qu'est-ce que tu veux que je te dise. Waouh je suis sur le cul. Quel bordel il a pris pas en plus au dernier show. Non Kawada. Il pas l'air hein. Il a pas l'air d'être sur ce sur ce show là. Waouh Toshiaki Kawada. Ok bah donc du coup on va pas s'en approcher hein. Euh, parce que si ça peut niquer des sponsors niquer ma réputation on va quand même faire gaffe. Mais la vache. C'est la première fois qu'on a un truc euh, comme ça dans le jeu qui, qui paraît aussi fou. Mais il a décollé, Kawana. Hardcore TV show numéro 2 euh, de ce mois d'août, qui commence en plus, une fois d'une très très belle manière, avec Rob Van qui va trouver du soutien auprès de qui Auprès de Tommy euh, Dreamer, bien entendu, comme je vous l'avais euh, plus ou moins énoncé. Euh, Tommy Dreamer qui vient euh, prêter main forte euh, à son pote Rob Vordam. Alors, je vois par contre au, au passage qu'on a 4300 personnes, je sais pas où on est. J'ai laissé le truc en automatique, à Dieu Bob Carpenter Center. Donc, on est peut-être dans une région où on est un peu moins... Euh, un peu moins euh, chouette, euh, mais bon, bref. Euh... Petite information très importante, alors j'ai dû le faire pendant le show, je vais même faire un segment pour, lui, pour le justifier, mais euh, même pour aider euh, XTV à avoir plus de femmes euh, présentes sur le roster, euh, Rob Van Damme est désormais managé par Francine. Aussi, voilà. Donc il y a Francine qui est dans les parages, peut-être pour ça que vous voyez. Francine, help euh, Rob Van Damme dur euh, during this segment, et parce que justement, Francine va désormais manager et Rob Van Damme et Tommy Dreamer, ce qui tombe bien parce que Kurt Hennig, lui, est managé par Jenna Jameson. Et en plus de ça a tout le pouvoir. Ça me fait un très bon angle hein, de 86. Curtinic doit se trouver un partenaire ce soir hein, pour euh, faire un match au tag. Parce qu'il est défié dans un match au tag. Jad Jebson dit ok, pas de souci, euh, Il a un partenaire. Qui Qui Qu'est-ce qui se passe et on gagne de la hit justement dans le segment entre Toby Dreamer et Kurt Henning. Donc pas mal, bonne utilisation. Euh, Dean Malenko contre Christian Cage. On avait vu qu'il y avait eu un petit peu de bif entre eux, euh, Christian Cage, Shakespeare Castle, Dean Malenko et Chris Benoit. Euh, finalement, ça va se résoudre peut-être avec un match entre Dean Malenko et Christian Cage qui peut fait un match avec un rating de 71. On est face contre face. Bonne réaction de la part du public, même si on est face contre face, il n'y a pas de, de hit. Victoire de Dean Malenko qui me semble plutôt logique avec un Texas Cloverleaf. Euh, tu me fais un match décent avec Malenko qui fait un bon 79, pas de problème. Oula, on est dans la mid-card, euh, tout va bien, mais derrière, il va se passer quelque chose de pas banal, les mecs. Là, je prends des risques. On va un peu enflammer cette partie de TEW. Ah oui, vous attendez pas à ce que ça s'enflamme, mais ça va s'enflammer encore un peu plus dans cette division par équipe de folie, puisque. Saxor Castle accompagne Christian Cage à ce moment-là. Dean Malenko, il est reparti backstage, pas de problème. Il est là avec son pote, etc. Qu'est-ce qui se passe Ils vont se faire attaquer par. Deux mecs qui font leur retour dans la compagnie. Mustafa Saïd et New Jack Eh oui, New Jack est de retour. Euh, il me fallait des équipes d'expérience et je me suis dit, putain, une ECW sans New Jack. New Jack est de retour, les mecs Pas pour longtemps, je les ai signés qu'un seul mois. Juste histoire de poser des graines, utiliser une équipe tag, donner de l'expérience à d'autres mecs. Les gangsters sont de retour et attaque Christian Cage et Serge Sennat L'idée derrière tout ça, c'est de faire un putain de gros match hardcore. Euh, Mustafa Saïd, euh, great, voilà, les, les gimmicks euh, gangsta fonctionnent très très bien. New Jack, masterful job improvising with the, the crowd. Ça fait un bon segment à 70 pour la mid-card, je trouve que c'est pas déconnant. J'espère juste que New Jack va pas foutre le bordel backstage. Il est là qu'un mois. Hein les mecs, ils arrivent déjà avec un, un faible moral avec des morals issues. Pour vous dire à quel point euh, tout se passe bien. D'ailleurs, Steve Austin a signé, je vais pas l'utiliser, je fais le petit aparté. Steve Austin a signé. Moral issues direct, je vais filer 5000$, parce que généralement je file 5000$, hein. euh, toujours moral issues, ça me fait très peur pour la suite, Steve Austin, qu'on l'utilisera toujours pas, spoiler alert, pas de Steve Austin dans cet épisode. Alsto contre le Sandman, je donne des victoires au Sandman dans des matchs hardcore, parce que je me dis, ça y est, désormais à la télé j'ai plus de restrictions, je peux faire des matchs hardcore, le Sandman il est bien là-dedans, il fait des matchs hardcore, et il va battre Alstow, 78, superbe note, pas de problème, euh, continue de faire augmenter son momentum, le Sandman, ça évite qu'il fasse la gueule aussi. Rob Vandem Tommy Dreamer, segment backstage où F Francine va être manager de Rob Vandem. Voilà, comme ça, ça officialise, ça officialise le truc. Pardon, 63, il y a pas de 8 puisque c'est juste un truc avec des babyface. Bon, 63, ok. Euh, les Bart et Billy Gun vont faire leur premier match par équipe au sein de la ECW. Ça marche pas bien. Ça fait 66 contre les Pitbulls. On aurait pu s'attendre à quand même bien mieux, mais non. Euh, le truc, c'est que Billy Gunn, Bart Gunn, comme vous vous en doutez. Attends, 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 quoi les Inst Hill turn. Ils ont pas. Il y a pas de Hill turn. Attends. Je les ai pas tournés, Bardgun et Billy Gun. Là, là ça me gêne, parce que j'ai commencé à dire potentiellement qu'il allait y avoir un turn des deux. Parce que je vais les faire affronter les de listes puis je vais les faire tourner heal pour qu'ils mettent vert toute l'équipe de, de Babyface. Mais l'idée c'était pas qu'ils tournent heal là maintenant. Donc ça a bourbé la foule parce que. Ok, donc c'est un peu bizarre. J'ai peut-être merdé sur quelque chose parce que je les ai, je les ai pas voulu heal. Ou alors c'est parce que c'était leur début, mais ils ont fait leur début dans un segment. Mais ils les ont pas mis en heal quand même. 66, j'irai voir après. De toute façon là je peux pas voir maintenant. J'irai voir après. Sinon, oui, c'est vrai que ça fout le truc euh, un peu en l'air. Euh, bah oui, parce que ça merde. Le ins at heal turned completely, bomb the crowd. Remembers is very. C'est bizarre ça. Bon bref, j'irai voir. Euh, 63, pourquoi ils ont tourné heal récemment du côté de la ECW ou de la WWF c'est ça qui fout un peu la merde. Parce que là, les Dudleys viennent les attaquer après le match. Ok, ça fait 63. Putain, on est peut-être en train de merder quelque chose. J'irai voir. Ça, ça va un peu m'angoisser. Putain, c'est super l'idée à la base. Spooky Guns contre les Dudleys. Ça va pas marcher, quoi. Ça va me foutre de la merde. Raven contre Duke Gilbert. Match hardcore. Pareil, j'ai match hardcore. Autant en faire. Raven qui vient faire un match pour son retour. Comme on a vu euh, Ryan Pillman faire un match contre Sex Castle. Raven vient faire un match... 81, bonne note, match hardcore avec, des, avec Raven, ça marche du feu de dieu, pourtant il fait qu'une note de 77, et Doug Gilbert qui est pas trop mauvais en match hardcore, euh, vient prendre un job, voilà, qui affectera rien du tout, mais 81 c'est une très très bonne note, derrière, gros angle bien entendu, comme vous vous en doutez, entre Raven et Brian Pillman, ou Brian Pillman va dire, au public, il va shooter sur Raven, en disant ce mec là, hein, que vous applaudissez, etc, il faut pas oublier qui c'est, Hein, que c'est Raven, que c'est euh, la pire des saloperies, un mec qui euh, manipule les gens et qui vous a tous manipulé, vous, dans cette arène, dans toutes ces arènes, euh, quelqu'un à qui vous avez pardonné assez facilement, tu vois, on reprend un petit peu les codes du film, hein, voilà, le, Brian Pillman, il a des démons en fond de lui qui, euh, qui se souviennent pas, et il va justement pointer Raven du doigt en disant qu'on devrait pas faire confiance à un mec qui se drogue autant, voilà, et il va euh, exposer euh, Raven sur euh, ses addictions aux drogues, hein, tu vois, tu te souviens un petit peu euh, CM Punk alors en plus c'est Pillman tu vois qui dit ça, qui est pas mieux tu vois ben pour le coup hein, Pillman euh, et les Painkillers euh, c'est une longue histoire euh... Mais bon c'est un peu dans l'idée, toi et moi on est pareil hein, voilà. Et grosso modo Pillman veut essayer d'avoir Raven de son côté La feud est peut être très intéressante voilà. Imaginez que ça peut être très cool voilà. 86 Pillman, Raven Réveille-toi Franchement ben c'est normal que c'est bien Et le main event Et qui fait son retour pour faire équipe avec Curtaining C'est nul autre que Rocky, Mayavia, The Rock qui est de retour en mid-card hein, par contre, ah, et là, il, a, il est plus over comme avant. Hein. Il est en mid-card, mais ça me fait un match correct, 78 bonne note pour un main event. Euh, où Rob Van Dam pas euh, Rocky Mayavi à la fin. Personne n'a râlé, Rob Van Damme, du coup prend une victoire. Puis donne un peu de momentum. Il pourra affronter Kurt derrière et ça sera très bien. Euh, tout le monde fait les bonnes notes. Voilà. Rocky et Janet Jameson ont une super chemistry, Bien entendu, ça, ça m'avait un petit peu manqué. C'est pas grave si on met un peu le momentum de, de Rocky au shoot. Il fait qu'une petite note de 61 d'ailleurs, un petit peu en dessous du reste. Euh, et la storyline continue d'avancer entre euh, Tommy Dreamer et Kurt Henning, bien évidemment. Fin du show qui me fait un très solide 79, qui me va euh, très très bien pour le coup, voilà. Voilà, bon, il faut que j'aille voir ce truc là avec les, les, les par équipes là, parce que qu'est-ce qu qui s'est passé avec cette division par équipe Des informations, des mails bien entendu. Alors, New Jack qui me dit qu'il faut dire à, à Mustafa Saed il faut qu'il se calme parce qu'il est très dangereux. Est son partenaire, hein, c'est son pote. Et c'est New Jack qui me dit ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est incroyable, bravo New Jack. Euh, 1.90, incroyable ratings, super ratings, des retours, des matchs, des trucs. Imagine, c'est bien le catch. C'est bien la ECW. C'est pour ça que je pense que vous êtes tous contents avec cette compagnie, parce que regarde, en il fait, n'y a que des trucs positifs, à part euh, Toshiaki Kawada, je parce qu'il a foutu là, avec ses prostituées, c'est le bordel. Euh, extension de contrat pour Steve Corino du côté de USWA, bah si, il peut prendre de l'expérience un petit peu ailleurs, Steve Corino. Ça me va très bien, ouais, Steve Austin, Moral issue, je lui ai filé 5000 dollars. Le mec, il est encore euh, déçu du bookie qu'on lui a donné à Hardcore TV en janvier 97 avant qu'il se barre, quoi. C'est bon. Calmos tout va bien Reste à la maison, Steve Austin. Pourquoi il râle Lady Kid, moral Issues. Je m'en fous, ça. Enfin, bref. Bon, roster, attends. Non, Face, 7 tout turn. Ah, d'accord, leur dernier turn était très récent. Je vais cancel, alors. Je vais le cancel. Je vais pas le. Je vais pas préparer de hill turn. Tant pis. Apparemment, ils étaient. Ils ont eu un turn récemment du côté de, de la LCW. C'est peut-être pour ça que ça a affecté le truc. Et, et c'est con parce que l'équipe de, de Billy et de Bart Gun, les Smoking Guns, d'ailleurs, ils sont en équipe chez nous. Mais oui, les con, j'ai oublié de les ajouter ici. On les ajouter, les Smoking Guns. Euh, Bartgun, Gun, Billy Gun. Bartgun, Gun, Billy Gun, Autonome. Pourquoi ils appellent les Long Riders C'est un autre nom qu'ils ont, peut-être. Non, je vais les appelais les Smoking Guns. Les pistolets fumants, bien sûr. Je ne sais plus, les Smoking Guns, il écrivait avec. Deux N ou un N. Bon je crois avec deux N. Hein. Smoking guns, évidemment, voilà, qui ont 95 en expérience, bah qu'est-ce que tu veux Possède les championnats WWF. Hein, Qu'on pourra pas mettre en jeu, évidemment. Euh, uni, unifié, for, équipe unifiée en 1992 quand même. Ah bah et euh, Smoking guns, ok. Très bien. Bon, pff, pourquoi pas. Spooky Guns et on continue, on est toujours dixième, on va faire du profit. Hein, ce mois-ci, ne t'inquiète pas, il y a de l'argent qui va couler à flot. On ira chercher après d'autres stars de wwf hein. Mais il y a moyen. Mais par contre, là on est en train de fondre, il y a plein de main eventers. Il va falloir vraiment récupérer la mid-carte parce que j'ai beaucoup de mecs qui sont très over dans cette compagnie. Euh, mais c'est pas grave, ça va élever, ça va mettre, ça va pousser tout le monde vers le haut. Euh, Chris Candido étend son, étant son contrat avec WWF. OK, Jimmy Hart avec WCW, Steve Corino avec USWA. Des incidents backstage à XTV. Mais qu'est-ce qui se passe enfin. Euh, incidents backstage avec Paul Heyman et Rob Van Dam. Il y en a également un entre Spec Dudley et Terry Funk. Alors celui entre Spec. Je vais commencer par celui-là. On peut commencer par celui-là Oui. Euh, Spec Dudley amené devant la cour parce qu'il a oublié de payer une note au bar. Ok. Paye à boire pour tout le monde. Parfait. C'est bien. ça Terry, va améliorer. Voilà. Il améliore son comportement. Euh, Spec Dudley, c'est très bien. C'est des erreurs que j'encourage. D'ailleurs, mon roster à faire comme ça, après ils ne les font plus. Et, euh, et puis je dois payer à boire pour tout le monde. Et ça, je, je pense que c'est ce qui est euh, primordial dans la compagnie. Euh, alors, en revanche, Paul Heyman et Rob Van Damme, ça fait un peu peur. Oh putain. Rob Van Damme et Kit Cash à We're Being Jerks backstage. Ils se comportent comme des connards backstage. Et euh, ont d'abord provoqué, puis physiquement attaqué Paul Heyman. Amenant à une bagarre. Qui a été séparé par plusieurs catchers. Polyman, c'est le patron. Ouah la vache Ouais, je dois faire face à une situation à laquelle je m'attendais pas du tout. Putain, mais ils pourraient pas se calmer les mecs. Non mais là, ils se sont bagarrés avec le patron, c'est chaud. C'est chaud parce que si je prends pas la bonne décision, est-ce que Polyman derrière va me le faire payer Je pourrais dire, vas-y, mets une amende, euh, mets un petit truc, mais là c'est chaud quand même. C'est très très chaud ce qui vient de se passer entre Kit Cash, Rob Van Damme. Euh, et si. Voilà, si je dis juste, allez. Euh, c'est complexe. Allez pas vous battre avec le patron les mecs, qu'est-ce qui se passe Leur mettre juste une petite amende. Parce que bon, Rob la... ce qui me fait chier, c'est que là, on vient de le ressigner et ça se passe super bien. Ça se passe tellement bien. Euh, qui te Cash. Je suis plutôt confiant même pour la suite. C'est horrible. C'est horrible. Cette, dé... Cette... Cette réalité, waouh, cet épisode Il y a des choses chouettes et d'un coup d'un seul, hop, il y a Kawada qui avec les prostituées, il y a ça maintenant. C'est dur, quoi. Est-ce que je leur mets une fine Fine, c'est mettre une amende, hein, tout simplement, c'est une petite amende. Les suspendre, je pense que je peux. Ok. Donc. Ah bah j'ai choisi. Sub... Okay. Donc Rob Van Damme commence 28 jours de suspension une fois que le show de ce soir sera terminé. Je pense que c'est bien une suspension pour Rob Van Damme étant donné qu'il est en contrat. En revanche, je peux pas la faire pour euh, Kit Cash, parce qu'il n'est pas sous contrat avec moi. Si Kit Cash il avait été sous contrat, je l'aurais suspendu. Mais je peux pas le faire, en fait ça aurait marché que pour Rob Van Damme. Est-ce que je vais sur l'avertissement sévère Je vais aller sur l'avertissement Ah, tu vois, là, dans ces cas-là, c'est vrai que c'est bien d'être en live parce que vous pourriez me donner votre avis, tu vois. Qu'est-ce que je décide de faire à ce moment-là où c'est la panique Non Ça... Je crois que je vais faire avertissement sévère. J'ai très, très peur de la réaction de Polyman. J'ai très, très peur de la réaction de Polyman. Allez, avertissement sévère. On est parti. Robert Dame. I mean, sa personnalité get worse. Ok, donc ok, sa personnalité ne va pas s'améliorer à Robert -Dame. Mais en même temps, voilà quoi. Vous vous êtes battu avec le boss quoi. Bande de cons. Shelems n'est pas content avec ma décision. Il est impliqué où Shelems là-dedans Si t'arrives, toi. New Jack est vraiment content de ma décision. Parce que New Jack est pote avec Kit Cash. Paul Heyman n'est vraiment pas content de ma décision, la trouvant un petit peu trop légère. J'aurais dû les virer. Et c'est tout. Et c'est tout. Et. Ah oui, bah oui, il est pas content chez lui parce que lui et Kit Cache, il y avait de la tension entre eux. Oh la vache. ou oh, c'est compliqué. Rob Vendamme et KitKash. Oh putain. Euh... J'ai peur d'une chose. Il n'y a pas de la tension entre moi et... Enfin non. Entre... De, de ce côté-là. Enfin, entre moi et Paul Heyman, ça va. Paul Heyman est pas content. Ok, si, il est en gris. Il est pas content, Paul Heyman. Pas content. Furieux la manière dont j'ai euh, géré l'incident. Avec Robert Je ne pas lui filer 5000 dollars Bah ben non, je ne peux pas donner 5000 dollars au boss. Je sais pas hein, si ça, ça vous est déjà arrivé dans vos parties, les mecs, mais tout ce qui me fait peur, c'est t'imagines, j'ai mal géré cet incident et Paul me vire. Et c'est la fin de notre partie avec la ECW. T'imagines où ça nous mènerait, quoi Je suis euh, dégoûté. Je suis dégoûté, mais bon. Paul big moral issues. Big moral issues, le mec. Avertissement sévère n'était pas suffisant, j'aurais dû les virer. Je peux pas revenir en arrière, c'est ça qui est horrible. On va boucler le show. Bouclons le show, revenons euh, plus tard. XTV, le show débute avec New Jack contre Spec Dudley. Il fait une note de 68 dans un match décent. New Jack by Spec Dudley dans le classique ECW Rules match. Après, euh, bah, le 187, hein, euh, le code meurtre. Évidemment, hein, le code de, de, de l'homicide. Euh... Avec New Jack en plus de ça c'est fantastique. Je vous encourage bien entendu à regarder le dark, le dark Side of The Ring sur New Jack. Qui est passionnant et qui expose à quel point le, le mec était quand même débile quoi. Et il est, il est passé par des portes quand même. Il est passé par des belles portes. Hein. Mais il est, il est fantastique. C'est ça aussi un peu qui m'a motivé à reprendre New Jack. tu vois. Le mec est terriblement con et bâtard et moi je décide de lui redonner un petit contrat là chez ECW. Fantastique. 68 donc voilà, bad chaud, honnête. Spike Dudley s'est blessé, s'est cassé la jambe, <laughs> il a New Jack en même temps, <laughs> Quelle course ce Sturdy, euh... Al Snow et Bull Payne, ils font un second backstage, j'y parle, voilà, et juste après, ils affrontent les Pitbulls, ça me fait une note de 61, c'est pas terrible, cette division par équipe là est pas fameuse, fameuse dans cette midcard, et je m'attends mieux pour les Pitbulls, ça hein, quand même, mais on n'arrive pas à reprendre voilà, le, le niveau d'overness qu'ils avaient à une époque. Stevie Richards fait une petite interview qui fait 63, ok, je rappelle ce que c'est le champion de la télé. Voilà. Euh, et ben justement, il défend son championnat de télé contre Dave Finlay, Qui ne mérite pas particulièrement, ça fait 63. C'est un match honnête. Euh, Chavo Guerrero Jr. fait une petite interview backstage qui fait un petit 46 de merde. Par contre, il affronte à nouveau Rob et ça me fait encore une fois une très très bonne note de, de 80. Euh, 72, ok, rien à dire sur le show. En même temps, voilà, là il y avait... Euh... Francine qui est venue manager, Rob Vendam. bon, C'est horrible. Hein C'est horrible parce que, voilà, j'ai ça, j'ai ce Polyman has big moral issues. Je ne sais absolument pas comment je vais pouvoir euh, gérer ça. New Jack qui continue de donner des conseils. Bullpen ne connecte pas avec le public. Il faudrait euh, enlever le gamin. XTV fait 0.14. On s'en fout. Madbull Buster, a Madbull Buster a besoin de souffler. Je vais voir s'ils ont un petit peu bossé du côté de, de, WCW de WWF. Euh, la WCW fait une offre pour Taz! Alors, l'offre de la WCW, parce que j'ai jamais signé Taz, Taz je l'ai pas signé, Taz il est en paye par apparence et je peux comprendre que WCW soit intéressé parce qu'on a quand même rendu Taz très over dans la compagnie, voilà, et là je l'utilise pas pour euh, donner du sens à la storyline avec Vader, euh, la WCW propose un deal signé à Taz, qui est très considéré donc euh, il va falloir que je réplique, à 15700$ par mois, avec une signature bonus de 15700$ également, et 10% de bonus par événement. Pour une durée de 4 années, quand même. 4 années, ce qui est loin d'être euh, décollant. Euh, je vais me positionner à 16 000 dollars. Voilà. 16 000 dollars pour Taz. Économiquement, on est bien. Je vais pas me priver de mon bon Taz. Qui a euh, quand même euh, répondu présent à de si nombreuses occasions au sein de notre compagnie. <laughs> on va quand même pas déconner. Je vais lui proposer que 3 ans. En revanche, je sais pas si ça va. Euh... Foutre le bordel. Je vais lui filer le bonus de 10% par événement. 16 000, 16 000. Euh, push jamais en dessous de bit quart d'heure. Chose que ne propose pas, par exemple, WCW. Je fais l'offre. Et voilà. Il a deux offres. Vous serez une des deux offres que j'étudierai. Euh, voilà. Très sérieusement. Je propose plus de thunes. On verra si WCW fait une autre proposition sur laquelle je peux m'aligner pour Taz. Après, si ça va trop loin, bah, je me passerai de taz. Parce qu'on a du monde, quand même. Voilà. La ECW, à l'époque, elle s'est tellement fait piller par ses, par ses talents. Et si ça se trouve, je vais faire virer de la ECW, là, avec ce qui vient de se passer avec Paul Heyman. Je suis sur le cul, hein, pour ça. Ça va, ça va me mettre, là, pour cette fin d'épisode, dans un état, les mecs. Ouf Alors, j'ai donné tout à l'heure un bonus de 5000 dollars à Steve Austin, pour pas qu'il fasse la gueule, mais là, il vient officiellement de nous rejoindre. Là, enfin, je vais pouvoir l'utiliser. Est-ce que si je lui file, à ce moment-là, 5000 dollars... Euh, son moral va s'améliorer. Le mec, il est content, il vient de se prendre 10 000 dollars, il est toujours... Putain, mais c'est pas possible, quoi. C'est incroyable. Minor moral issues, c'est passé à minor. Et ce qu'il faut faire, il faut lui... Bah là, je vais pas refiler de la thune. Je fais quoi Je file 1000 dollars de plus. Minor moral, normalement, 1000 dollars, c'est suffisant. Il n'y a plus de moral issues. 11 000 dollars pour euh, Steve Austin. Pour... Euh la vache, et je peux pas filer de thunes à, à Paul je peux lui donner du temps off bah ben non, bien sûr que non, c'est le boss, quel con euh, évidemment que non euh, c'est pas possible quoi Pro, pas production euh, Honor Goals, ça c'est les, les Goals qui m'a donné, il y, y a un truc qui se termine quand prochainement dans 4 mois dans 15 jours, 15 jours, balance économique à plus de 550 000$, faut espérer que, c'est vrai que là on aura fait deux années dans le jeu à la fin de cet épisode, il faut espérer étant donné qu'on a ce niveau culte qu'on a gagné plus de 550 000 dollars, il faut espérer qu'à ce moment-là, précis, Paul Heyman se dise hey, « Eh, il a respecté les Honor Goals, euh, pour mon moral, ça va. » Voilà, c'est tout ce que j'espère. Parce que là, les mecs, c'est chaud, quoi. Ou alors, je fais quoi Je décide de virer Si je vire Rob Van Damme, et Kit Cash, mais que ça n'améliore pas le moral de Paul Heyman, ça me met dans une position, mais qui est encore plus délicate. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Surtout que Rob Van Damme, là, on était bien, on était sur un bon programme. C'est dur, c'est hyper dur c'est très très complexe. Hardcore hein. TV. On est dans la True State. Rob Van Damme est suspendu. Rob Van Damme est suspendu. Donc ma décision par rapport à Rob Van Damme l'a quand même suspendu. Donc pendant 28 jours, je n'ai pas euh, Rob Van Damme. T'as Rob Van Damme qui s'est battu avec le Kid. Finalement, peut-être que le Kid, c'était un bon gars. Finalement, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Euh, kid Cash, je pense que je vais le virer. Et je suis très triste. Rob Van Damme l'a suspendu. Ça a peut-être calmé les trucs, mais je pense que je vais virer Kid Cash. Incident avec John Finnegan. Qu'est-ce qu'il a fait lui il met de la bonne humeur backstage, tant mieux. On est parti pour ce dernier Hardcore TV avant notre gros événement, que je ne sais même plus c'est quoi, je crois que c'est un Summer euh, truc. Bah ouais, vu qu'on est au mois d'août, je ne sais plus exactement quel est le, le nom du gros événement qui sera notre prochain événement. On est dans la Tree State, 9000 personnes pour Hardcore TV, ce qui est loin d'être décollant en effet. Euh, et ça s'ouvre avec Rocky Mayavia, Jella Jameson, bien entendu qui l'accompagne, euh, Tommy Dreamer et Francine, dans un segment où euh, The Rock va bah, bien entendu s'amuser avec le public, on se souvient quand même qu'il est très talentueux au micro, notre bon ami Rocky Maivia, va shooter sur les fréquentations de Tommy Dreamer et notamment Rob Van Damme, qui se bagarre avec Paul Heyman. J'en joue un petit peu, c'est un peu l'esprit ECW. Rob Van Damme qui, je le rappelle, est désormais suspendu. Voilà, tes fréquentations, Tommy Dreamer. Ce soir, Rocky contre Tommy, main event, 1 contre 1. Si Tommy Dreamer gagne le match, il a un title shot au titre de Kurt Angle. Euh, la suite, les amis, New Jack contre Sexter Castle. Pour la déconne, on a vu que c'était la merde entre les gangstas et les suicide blondes. Il euh, y a un match, un 1 1 entre New Jack et Sexter Castle, un match qui a du bon catch et une bonne 8. New Jack et Sexter Castle vont faire match nul, suite à une double disqualification. Sexter at Castle s'est blessé pendant le match. New Jack, c'est vraiment une ordure. Le mec, qui blesse tout le monde. Joey Stiles, Recruit font un super travail à la table des commentateurs. New Jack, Henry, performance de 62, et Sexter Castle fait un énorme 82. Double disqualification, New Jack vient me blesser euh, Sexorad Castle. C'était une bonne idée hein, de recruter New Jack finalement, hein, Voilà, euh, je voulais que ça mette un peu plus de hit, de piment entre les deux équipes avant qu'elle Voilà, pour les faire affronter aux gros événements et donner une grosse victoire euh, au Suicide Blondes. Hein, voilà, J'ai euh, eu encore une fois là une excellente idée six Castle Castle, blessé. On que j'aille voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à niveau de, du staff médical. Chavo Guerrero est défilé contre Chris Benoit et Malenko. bien évidemment, Malenko et Benoit gagnent le match. Euh, Chavo et Défilé sont plus là en figure de jobber. On fait quand même 7 minutes 31 de match. 69 correct, Défilé un petit peu en dessous de tout le monde avec un 49. D'excellentes notes pour Malenko et Chris Benoit qui font respectivement 84 et 88. C'est à mettre à leur Pardon, alors crédit le Sandman, qui a gagné 2-3 matchs là, ces derniers temps. Challenge, Steve Richards pour le Championnat XTV. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup Steve Richards en action. Euh, challenge pour le Championnat XTV, quelque chose qui est très bien reçu de la part du public, puisque ça donne un euh, ratings de 83. Super. Et ça sera ce soir, le match. Comme ça. Oh Découvrira. Brian Pillman contre Ayabusa. Voilà, je voulais... Donc, Raven a eu un match, Ayabusa a eu un match. Enfin, voilà, et Pillman a eu un match. Là, désormais, c'est Pillman qui a un match, il affronte Ayabusa. Dans un match, attention, qui a eu du très bon catch, une décente réaction de la part du public, Brian Pillman bat Ayabusa. La logique est respectée, mais quand même en 14 minutes 46, match à qui j'ai donné, tu vois, une notion de storytelling. Pillman me fait 79, Ayabusa fait un 68. Je travaille un petit peu mon Ayabusa, voilà, en amont. Qui, normalement, je pense et je l'espère, deviendra une star à long terme au sein de, de la ECW. Euh, Pillman fait là une très bonne performance, puisqu'on a quand même un 78, mais a un peu galéré à battre son adversaire. Ce qui va permettre à Raven derrière de se pointer après ce, ce superbe match pour faire un gros segment, grosse promo, 99 de rating énorme, immense. Figure-toi, il va le défier dans un match hardcore. Pillman qui n'est pas un mec qui vient du hardcore. Raven va le défier pour un match hardcore au prochain gros événement, voilà, pour clôturer la feud entre les deux, ok, tu veux rentrer dans la tête de Raven, tu veux rentrer dans l'esprit de Raven, affronte-moi dans un Raven's Wolves match, carrément, voilà, et Pillman, il va se chier dessus, à aider d'affronter Raven dans un Raven's Wolves match, et pourtant, ça marche super bien, voilà, la, la storyline gagne de la hit, c'est un truc euh, super, tout se passe bien. Steve Richards contre le Sandman me fait un excellent 81, figure-toi, classique ECW Rules match. Dans un match qui a eu du bon catch, des action réaction de la part du public, Steve Richards et le Sandman font match nul. Voilà. 10 minutes 29 après une double disqualification, double count out. Oui, elle a eu CW, des doubles count out. Euh, ça peut arriver. Et euh, quelque part là, ça m'arrange. Comme ça, on pourra faire la revanche. Voilà, ça marche bien. On fera la revanche aux gros événements, évidemment. Euh, évidemment. La gimmick stale un petit peu pour le Sandman. Il va falloir que j'aille la, la tordre parce qu'on va la prolonger cette gimmick qui est très bonne. 81. Tout va bien. Le main event Tommy Dreamer contre Rocky Mayavia me fait un excellent 79 de rating. C'est vraiment très bien. Match qui a dû. Superbe catch. Great, great hit. Tommy Dreamer bat Rocky Mayavia, bien entendu. Après une intervention de Francine. Francine est intervenue pour euh, aider euh, Rocky. Il y a Kurt Enig également qui est intervenu dans le match. Il faut le savoir. Dans, en tout cas, c'est dans mes Rodadjudnut. Euh. Tommy Dreamer. Ah, ouais, should be, ah non, mais non mais c'est con ça. J'ai marqué qu'il devait être. Euh, je me suis merdé. Ça, ça aurait dû être Rocky qui aurait dû être attaqué involontairement par Rocky. Euh, par, euh, bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait quand même 79, c'est pas si décolant. Euh, je merde plein de trucs là au niveau, au niveau de mon booking. 79, ok. Donc Tommy Dreamer est aspirant numéro 1 au championnat de Kurt Tenny, vous vous en doutez bien, pour le gros événement de notre pay-per-view qui arrive un petit peu après ça. C'est pas la fin du show, pour autant. C'est pas la fin du show puisque Terry Funk va venir au ring. Pour l'instant, je, je, je clique pas sur Next Segment volontairement. Terry Funk a décidé de se confier dans le ring à Paul Heyman sur la suite de sa carrière. Terry Funk qu'on n'a pas vu du tout là depuis le début du mois. Terry Funk, on sent c'est peut-être la fin, que c'est peut-être le départ en retraite. Sauf que voilà ce qui va se passer. Dans ce segment qui fait une note de 86, Terry Funk veut s'adresser donc au public. On sent que ça, ça ressemble à un adieu. Ça ressemble à un gros au revoir. Mais voilà ce qui se passe. Vader va se pointer illégalement. Il va y avoir un gros mouvement de foule. Vader va se pointer et Taz va se pointer aussi. Les mecs se sont donné rendez-vous. On ne sait pas trop. Ils viennent gâcher le segment de Terry Funk, devait donc annoncer son départ en retraite pour faire exploser leur bagarre. Les deux sont suspendus. Ils viennent foutre un gros bazar. 86 gros segment, gros rating. Bien que je les montre à l'écran, ils sont suspendus in kefabe. Plus on met Paul Heyman, tu vois, pour donner un petit peu de symbolique, etc. Et puis ça aide au segment de notre Paul Donc tout se passe bien, la storyline gagne de la hit. Terry Fuck improvise, Terry Fett qui est peut-être dégoûté dans l'histoire. Parce que voilà, c'est son moment, ça va être gâché parce que euh, l'ego de Taz et de Vader vient de prendre le dessus. Et on est de retour en plus dans la Twisted pour ce segment, t'imagines Ça fout un gros bordel. Et on fait un show qui fait un rating exceptionnel de 83, les mecs. Bah, très bon show, très bon show, bien sûr. Très très bon show. Qu'est-ce qui va se passer aux gros événements hein Est-ce qu'on va autoriser Vader et Taz pour se mettre sur la gueule Est-ce que Taz va rester dans la compagnie vu qu'on lui a proposé un contrat à la WCW Je vais aller voir ça d'un petit peu plus près d'ailleurs. On va la regarder. Et aussi qui, euh, qui fait la gueule Polyman en tout cas, lui fait la gueule. Et qui s'est blessé et qui est blessé pour combien de temps 2.04, on l'a passé les deux points de euh, TV Ratings. Fantastique. Sex on the Castle, blessé. Hein Oula Oh la vache On perd Taz On perd Taz. Taz signe avec la WCW. Ah la vache Ah la vache C'est au moment où tu te dis on est intouchable, hein. rien ne peut nous arriver. Finalement, il y a des trucs dans cet épisode qui euh, sont loin d'être banal. Taz va quitter la ecW Taz signe avec WCW. Avec qui en plus je suis en guerre C'est incroyable. Taz va nous quitter. Vieux WCW, je suis sur le cul. Il a fini par accepter leur offre. Je sais pas quelle offre il avait exactement, mais euh, de toute façon là je peux plus rien faire, je peux plus négocier. Euh... Donc c'est mort, c'est mort les mecs, c'est mort. Je perds Taz. Je perds Taz. Coup dur pour Guillaume, hein. énorme coup dur. Euh, le staff médical. Staff médical, alors Spike les 5 mois et 3 semaines pour le mec pour sa jambe cassée. C'est chaud. Euh, Kit cache, c'est encore 6 jours. Sexual Art Castle, c'est 2 mois. T'imagines 2 mois et 1 semaine. Waouh Rob Van Damme, 22 jours. Suspendu, bien sûr, ouais. Euh, Spec Dudley, c'est 5 mois et 3 semaines. Hein. Ah oui, le, le, le gamin là. Euh... Spec Dudley. euh... Jambes pétées. Bon, j'avais pas de plan particulier pour Spec Dudley. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser en hardcore. Spec Dudley, c'était assez intéressant. Euh... Mais bref, mais bref, Relationship, il est pote avec qui Avec personne, il a pas de relation. À la limite, je peux le virer parce que là, je... ça va m'obliger quand même à lui donner des cachets tous les mois. Euh, J'ai dit que j'étais pas WWE, que je suis pas Vince McMahon, c'est un petit peu sale hein, de virer un mec euh, qui est blessé. Hein Mais bon, c'est ce qu'on va faire. Hein. <laughs> On va virer Spike Dudley, qui ne me sert strictement à rien, voilà. J'ai donné tellement d'argent à Rey Mysterio pendant combien de temps, pendant qu'il était blessé, pour finalement me le faire piquer. Hein Donc bon. Euh, merci, Spike Dudley. Bon courage, bonne, euh, bonne chance à toi. Hein, voilà. Et vous pouvez me huer pour mes décisions, qui sont euh, purement peu éthiques. Hein, mais bon, j'ai un petit côté Vince qui sommeille euh, en moi. Euh, je file le de dollar à tout le monde généralement. Donc euh, bon. Castle, par contre, deux mois. On peut quand même l'utiliser pour des segments. Mais euh, ça, ça fait mal. Ça, ça fait très très mal. Euh, ce qui vient de se passer, ce qui euh, nous met dans cette situation un peu délicate. Dommage. Dommage, Sexton Castle blessé pour deux mois. Alors, on utilisera un petit peu plus Christian Cage comme ça, hein, voilà. Et merci, hein, euh, New Jack. Hein, quelle bonne idée d'avoir signé New Jack, hein, voilà. Taz qui se barre. Alors quelque part, Taz qui va se barrer, ça va permettre de laisser de la place à Steve Austin, qui va venir renforcer le, le main event prochainement. Donc, il euh, bah, y a une storyline qui va se terminer Taz Vader avec la victoire de Vader, hein, voilà. Taz va dégager. Euh, ici, c'est grosse ce storyline. Tu sais, correct storyline. Ici, c'est petite storyline. Hein. Mine de rien, là, les guns, les Billy Guns, les spark Guns, c'est... Euh, c'est pas... C'est pas génial. C'est pas Gégène. Allez alors depuis le début du, de, de l'épisode je suis pas du tout allé voir mes, euh, mes, mes popularités et euh, on est passé à 60 dans Mid-Atlantic donc c'est une excellente note, 60 en Mid-Atlantic 69 dans la State New England est passé à 53, donc ça grimpe hein, tout ça, voilà. South East est à 46 et euh, forcément dans les grands lacs Mid-South, Mid-West, ben, ça monte petit à petit c'est pas non plus gênant, c'est pas encore exceptionnel mais voilà, si en plus de ça on peut s'appuyer c'est le Nord-Ouest -Nord et euh, South-Ouest qui vont être les plus compliqués, je vous rappelle que pour euh, atteindre la prochaine size, c'est 65% d'importance dans huit régions d'Amérique. Donc, les huit régions d'Amérique, là, vous voyez bien, il y en a euh, 11. Donc Puerto Rico, Hawaii, on va les mettre sur le côté. Il faut qu'il y en ait une des deux, là, qui décolle, hein, évidemment. Euh, L'Écosse reste quand même plus que correcte jusqu'à présent. Ok, ça va. Euh, je, je, tiens, je vais faire un petit tour du côté de mes Creative Meetings, parce qu'avec le retour de Steve Austin, forcément, en termes de franchise player, il va devenir le catcher le plus populaire de la compagnie. Euh, next big thing on me considère. On me conseille, bien entendu, d'utiliser mieux euh, je suis de battu Et on va. Euh, et pour l'instant, c'est vrai que j'ai quasiment rien fait avec lui. Hot prospect, il est là aussi. Le techno Kid est considéré aussi comme un, un very hot prospect, très intéressant. Talk the talk, Steve Austin, Rocky Mayavia, Brian Pillman, Kurt et recruit hein, bien sûr, il faut pas sous-estimer. Euh, recruit dans tout ce process. Euh, Showstopper, bah merci Robordam hein, qui est euh, suspendu, qui fait le con. Généraux Durin, Chris Benoit, Dimenko, Rob Vordam, Steve Austin, Terry Funk, qui est chaud, qui a du momentum Et bien, Steve Richards, figure-toi, a un incroyable momentum. Ah bon Taz aussi, il va, il va tout perdre. Uh, Bubba Dudley, Diva Dudley et Tommy Dreamer, qui n'a pas de momentum, qui est au chiot. Steve Corino bien entendu. Doug Gilbert, évidemment. Uh, Pain, Chavo Guerrero et Chris Justice, ok. Time Decline, forcément, défilé, ça n'a pas bougé. Iron James, est-ce qu'il y a des nouveaux noms Il y a Raymond Lipan, que vous connaissez probablement, c'est Adam Rose. Et qui est pas tout jeune, hein, Adam Rose. Mais il est là, il est là, il est, il intègre un petit peu ce, ce gros bordel. Est-ce qu'on ira signer Adam Rose qui a juste 18 ans Allez, bien sûr, juste 18 ans et qui travaille déjà. Il a déjà une, euh, il bosse nom en, en tant que Diamond Duke euh, chez, euh, bah là, est, attends, il y a Mountain, Non, c'est pas Spunky Mountain, SSW, c'est petite compagnie, toute petite compagnie. Popularité, il y a vraiment pas grand chose. Mais bref, il est là, il est là, il est là ok. XTV hein, comme d'habitude on s'en fout un peu mais euh, à noter que Danny Doring fait peut-être ici sa meilleure performance de toute son histoire puisqu'il a battu non il a pas battu il a perdu contre Ayabusa mais il me fait un 63 donc sans décoder c'est pas si dégueulasse euh, même si Danny Doring voilà est toujours indiqué comme euh, étant trop statique le public s'en bat les couilles ils sont pas du tout intéressés par ce garçon Ayabusa en revanche capable désormais de porter un match donc ça c'est très très bien pour l'avenir euh, un angle, confrontation entre Billy Kidman et le Techno Kid, imaginez le truc, c'est le néant, c'est 39, c'est pas bien. Euh, Mustafa Said affronte Shadams. Ok, ça fait 55, c'est une victoire de Mustafa Said. Oh, bah oui, évidemment. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce bordel Grosse confrontation entre Chaveu Guerrero, les Pitbulls, Al Snow, Bull Payne et Steve Richards. Peut-être en prémisse d'un match. Puisque c'est l'autobooker, j'ai touché à rien. Bah ben oui, tout le monde s'affronte, ça fait 57, c'est pas terrible. Steve Richards et les bastards ont battu Chavo Guerrero et les Pitbulls. Ok, voilà. Bon, rien. RS, hein, c'est euh, XTV, on s'en fout, pas cette femme attractive sur le show. Aucune, d'ailleurs, aucune, pas une, pas une seule. Euh, 53, hein, voilà. Et Lady Alexandra, on lui trouvera un autre, un autre bonhomme à manager. Pourquoi pas Chavo Guerrero Ça pourrait être bien, on le voit souvent, Chavo Guerrero. Allez, parce que Kit cache, voilà, je vais le suspendre, hein, je vais le dégager. Alors, j'ai vu que j'avais des mails, mais tout de suite, voilà, te cache, euh, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Bon. Vous êtes bien mignon, Monsieur Cash. Hein, voilà, vous êtes euh, tout sympa. Euh, mais c'est vrai. Tiens, je pense à ça parce que si je le relâche pas maintenant, Rob Van va râler. Bon, je m'en bats les couilles que Rob Van Vendembe... Dam. Et New Jack aussi va râler, alors que New Jack perd dans un mois. Je vais faire peut-être l'effort de garder Kit Cash et je vais le dégager le mois prochain. Voilà, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais le dégager le mois prochain. Euh, comme ça, ça, ça niquera pas tout le tout le bordel. De toute façon, là, je vais plus l'utiliser, tout simplement. Euh, je vais le mettre un peu Persona non Grata euh, au sein de la compagnie, Acid None, ok, Save, ok, pas, 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 pas de problème, donc j'enlève Lady Alexandra, et je vais la donner, Lady Alexandra, à Chavo Guerrero Jr., euh, Lady Alexandra, voilà, parce que je pense qu'on a moyen de faire quelque chose d'un peu plus cool avec ce catcher, hop, très bien, on va faire ça comme ça. Bien, des informations importantes, on a euh, les ratings de XTV, très bien, 0.12, on s'en fout, Raven et le 4 burglar sont désormais ennemis. Ça va, il se, passe, ça se passe pas bien entre les deux. Je ne sais pas qui est. Le 4 burglar. C'est quoi Le voleur de chat. Ce mec, sa gimmick, c'est le voleur de chat. Je peux comprendre que Raven se prend la tête avec ce gars-là. Ça va pas la tête. C'est quoi cette, cette gimmick Et Henning une proposition... Ou oh merde, WCW fait une proposition de contrat à Henning, Qu'on l'a signé, Henning, hein Il est signé chez nous. Oh la vache, et ça devient chaud là, WCW, ils sont en train de nous piquer nos talents de, de ouf! Kurt Haining va peut-être se barrer! Attends, bon, Kurt Haining. voilà ce qui se passe. On avait fait des calculs lors du précédent épisode, on avait à peu près estimé s'il était intéressant ou non de signer Kurt Haining avec un deal exclusif, sachant que Kurt Haining, au plus dans un mois, on l'utilise 5 fois. Euh, on avait renégocié Kurt Haining et on était sur un salaire de 3268 dollars par apparence. Ok, si on le faisait apparaître 5 fois Curtaining, je vais ressortir ma, ma calculatrice, il faut que j'aille chercher une calculatrice, Hop, voilà, je vais rechercher une petite calculatrice qui est toute mignonne, qui est ici, bonjour calculatrice, euh, 3268, si je multiplie ça par 5 apparences, ça vous fait un total de 16 340 dollars. C'est-à-dire que c'est intéressant pour moi économiquement de proposer un contrat signé à Curtaining. Euh, pour un tarif, tu vois, équivalent à peu près à 16 000 dollars. Allez, on peut dire on peut monter à 20 000 pour assurer en plus de ça l'exclusivité. Sauf que, si je lui propose un contrat, il me demande 24 100 dollars. Il me demande 24 100 dollars. Et il y a donc cette offre qui vient de tomber de la WCW, qui vient de me prendre en plus de ça euh, Taz, qui me propose 22 300 dollars par mois. C'est une énorme offre. Énorme offre. Euh... Et bien sûr, mon statut de compétition, etc. 10% à côté. Ok, euh, pour un contrat de 2 ans, signé 22 300. Offre sérieusement considérée. Bon. Curtaining, ça marche bien dans pas mal de, conf de, 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 de confrontations. Par contre, dès lors qu'il y a du hardcore un peu impliqué, etc., ça m'aide pas beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas le catcher le plus adapté à mon produit. Euh, Curtaining. Et peut-être que ça bouche. C'est le genre de catcher qui peut boucher un peu mon main event. À l'avenir, je suis très content. Tu vois, c'est Kurt Henning, on l'a utilisé un petit peu à la même manière euh, que. Euh, je sais pas moi, que euh, Jeff Jarrett, à un moment, ou Roddy Piper. Un petit peu là, en, term en termes de guest, de star importante. Je suis en train de me poser la question est-ce qu'il ne serait pas plus profitable, en effet, que je laisse partir Kurt Henning, à ce moment-là précis, euh, pour éviter, tu vois, de trop sacrifier ma masse salariale, sachant que je viens de signer. Steve Austin, je dis, qui vient de, qui vient de rejoindre. J'ai Brian Pillman, qu'on va probablement utiliser comme intérêt. Steve Austin, c'est 18 000 dollars. Steve Austin, si tu compares directement à, euh, à Kurt Henning, c'est mieux quand même d'avoir Steve Austin. Kurt Henning, il est très intéressant, surtout pour la popularité. Le mec à 81 dans le Midwest, par exemple, on ne va jamais d'ailleurs. La à est à 79, c'est un peu fou, mais Austin, si je ne dis pas de bêtises, Steve Austin qu'on vient de signer, on est à 77 dans la Midwest. C'est des trucs qu'on va savoir, enfin dans la dans la c'est des trucs qu'on va savoir faire augmenter vraiment petit à petit à la suite. Donc Est-ce qu'aller est qu sacrifier un aussi gros truc, ce serait pas problématique. Sachant qu'on a Vader aussi. On a Vader euh, Qui va euh, être peut-être très important, je ne sais pas, Vader à signer, bon c'est beaucoup plus cher. Hein, c'est 26 000 dollars. Hein, <laughs> euh, là, c'est un peu énorme. Euh, je serais plus d'avis, tu vois, à garder Vader, à peut-être essayer de propulser Vader en tant que champion, qui décline pas encore, tu vois, au niveau de sa condition physique, même à 40 ans, euh, pour, euh, voilà, pour booster un petit peu le truc. Je suis pas contre l'idée de relâcher euh, Kurt Ening et d'arrêter euh, tout le délire avec lui euh, là maintenant. Je suis pas contre l'idée. C'est dur, hein, parce que ça nous fait quand même perdre deux énormes stars, mais je pense que ça peut être un bon mouvement pour aider d'autres catchers à se construire, à s'établir au sein du main event. Parce qu'on se retrouve aussi dans un système où on a beaucoup de Main Eventers. Énormément de Main Eventers. Attends, euh, est-ce qu'on a des informations Est-ce que ça, je peux regarder Voilà, Push, euh, Main Eventer. Vous allez voir, il y a du monde. Hein. Alors, il y a Billy Gun automatiquement, qui a été Pushé en tant que Main Eventer, même si bon... Voilà. Mais chez Pillman, Kurt Hennig. Main Eventer, Raven, Austin, Taz. Bon, il y en a deux qui partent. Terry Funk, on ne peut pas véritablement repositionner ailleurs que Main Eventer, voilà, même si là, il est dit, il est a il il XTV, j'utilise même pas XTV. Voilà, il est recommandé en tant que Main Eventer, ça reste quand même quelqu'un de, de très populaire, notamment en Mid-South. Euh, là, je pense que la popularité peut jamais descendre. Donc, tu vois, c'est très complexe. Je me dis, si je veux amener d'autres catchers comme, je sais pas moi, et vous en doutez bien, des Sexton Art Castle, des Chris Benoit. Euh, des Aurochs, voilà tout simplement. Plus haut dans la carte, il faut que je débouche ce haut de carte. Et c'est le rôle de la ECW, en effet, et on va euh, pas se mentir, hein, la ECW, elle a fourni en effet des talents incroyables à tout le monde. Si Kurt c'est quelqu'un d'important avant la ECW, ça sera un bon run, c'est tout. Voilà, je perds Taz et Kurt Ening, je pense qu'on va être capable de se sortir de ça, d'aller de l'avant. Il y a Steve Austin qui arrive. Voilà, je suis plutôt convaincu. Il y a Brian Pillman qui va terminer son programme avec Raven. On va se passer de Kurtaining. Faites-moi confiance, les amis. On va se passer de Kurt Ening. On va terminer euh, les storylines ici. Kurt Ening va probablement dropper le titre, hein, évidemment. Cette Brocaster, hop, on va mettre Request euh, TV. On va se mettre en... Euh, au bordel, là voilà. Donc c'est Arcor Even, c'est Arcor Even en plus ce soir. C'est Hardcore Even. Gros bazar. Euh, 100% de packstage waiting, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe Incident avec Doug Gilbert, qu'est-ce qu'il a fait Hop, atmosphère, relax, le mec il a fait un barbecue, voilà. Euh, petite pensée à Rabi euh, qui, euh, qui suit les épisodes de de, de CWTW, de de les barbecues de Rabi, voilà. On va mettre Doug Gilbert dans le barbecue de Rabi. Tellement de sympathie pour ce catcher, voilà, aujourd'hui. Ah, Incident, avec Curtaining est terrifiant, qu'est-ce qui se passe Curtaining amené devant la, le tribunal des catcheurs, pourquoi Il a oublié euh, de prendre l'un de ses partenaires, donc euh, voilà, il va devoir payer les repas pour euh, tous ses partenaires, pour les trois prochains shows, bon, je pense qu'il va se casser à la WCW avant, et il améliore quand même son comportement, bah écoute, Kurt Hennig, il nous a fait quand même un petit, euh, un petit sketch, voilà, avant de partir, bon, pourquoi pas, et créativement, de... je vais essayer de proposer quand même quelque chose d'assez intéressant, la seule chose qui me fait vachement peur, dans tout ce booking de Hardcore Even, c'est que je vais utiliser assez peu de catcheurs et je pense que je vais avoir pas mal de gens qui vont me faire la gueule, parce qu'ils n'ont pas été utilisés à Hardcore Even, euh... mais bon, ça n'a pas été simple. D'imagine que dans le show, je vais devoir faire deux cams the de crowd, parce qu'il y a des affiches qui sont énormes. Et il va falloir, tu vois, les. juger ça du mieux, tu vois. Et encore, et scénaristiquement, je fais encore des, des swerves qui vont vous, vous surprendre. et Richard contre le Sandman. Pour ouvrir le show, voilà, il y a eu. Euh, C'est le rematch de, de ce qui s'est passé euh, mercredi dernier à Hardcore TV. Et dans un match qui a du bon catch. Et une décente réaction de la public. Le Sandman va battre Stevie Richards dans ce classique CW Rules match. 11 minutes 35, par pitfall, après un rush de la sweep. Après que Kim Anthony soit intervenu. Le Sandman remporte ainsi le championnat XTV et devient le nouveau champion. Bah oui Bah oui Et en plus, le Sandman s'est blessé, tu vois, il s'est pété les côtes. Il est devenu champion, il s'est pété les côtes. Tout va bien dans cette CW. Les gens se blessent. C'est incroyable. D'ailleurs, je vais prendre des risques par rapport aux blessures. Donc, nouveau champion, le Sandman, qui ne va pas basculer du côté de XTV. D'ailleurs, le championnat va se rappeler championnat TV. Hein. Voilà, pas de surprise. Euh... Ce pas vraiment un bon mouvement d'attribuer un championnat, je pense, à une branche qui euh... est juste là pour donner du... des combats à des catcheurs, pour essayer de les préparer, pour les tester pour le futur. Donc, voilà. Champion... Victoire du Sandman. Nouveau champion XTV. Steve Richards aura eu un run de merde. Voilà, mais bon, il fallait pas s'attendre à beaucoup mieux. Peut-être, voilà, il va peut-être démarrer une chute entre les deux. On verra bien, on verra bien. Pff. Je suis pas euh, pressé, vraiment. Sandman s'est blessé. Allez, allez mon con, il s'est blessé. Là, c'est très intéressant. Voilà ce qui se passe. Bon, Hardcore TV, Terry Funk devait annoncer vraisemblablement sa retraite. C'était prévu avec Paul Heyman, en remerciement, introduction au Hall of Fame, très certainement de la ECW. Bref. Tout à un moment. Sauf que, au moment où il devait faire cette grande annonce, peut-être le grand moment de, de Hardcore TV, peut-être faire son match d'adieu Hardcore Ivan, il a été interrompu par Taz et Vader qui ont foutu un gros bordel dans tout le public, etc. et qui ont fait passer Terry Funk au second plan. De ce fait, Terry Funk est dégoûté. Et il, veut, il vient le faire savoir aux deux personnes qui sont un peu en charge de CW, à savoir euh, Paul Heyman. Donc t'imagines, t'as une scène, t'as Terry Funk qui Arrive qui est dégoûté, qui rentre dans la, dans la pièce, qui, fait, oh, qui rentre, tu vois, dans dans la pièce. Il est suivi par Paul Heyman. Je fais non, Terry, non, 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 fais pas des décisions que tu vas regretter, etc. J'ai plus le pouvoir pour venir te sauver à ce moment précis parce que c'est Jenna Jameson qui est euh, désormais, voilà, qui a les pleins pouvoirs. Euh, Paul Heyman, il est plus utilisé, on va dire, au sein de la ECW. Il a des parts, mais c'est un consultant, il peut plus s'occuper du booking, ce genre de choses là. Donc il vient s'en prendre à Jayla Jameson. Et lui dit, fais la bonne décision, Jenna, parce que euh, là, ce que t'es en train de faire, t'es en train de faire une, grande, une grosse connerie. En plus de manquer de respect à moi, Terry Funk, et tout ce que j'ai apporté dans cette compagnie, tu vas autoriser Vader, qui est probablement le responsable, le mec qui a mis fin à ma carrière, euh, après les matchs hyper violents, parce que Vader est incontrôlable. Tu vas le laisser s'en prendre à Taz. Taz, qui est peut-être, tu vois, l'un des futurs de business, et puis Terry Funk, il a fait des passages de main avec Taz. Taz, qui est la plus grosse star babyface de la compagnie, tu vas laisser autoriser ce match, soit sanctionné ou non par la compagnie, t'es prête à faire ça. Et Jenna Jameson elle est prête à faire ça, tu vois. Du oh, où est-ce qu'on va aller Donc, Tout le monde improvise, tout le monde va très bien. Paul Heyman est super, parce que tout le monde travaille sans script, bien entendu. Et la storyline, bien entendu, entre Taz et Vader continue de prendre de la ligne, parce qu'ils sont évoqués, ils sont pas présents, mais ils sont évoqués. J'ai oublié de dire qu'on est dans la Twisted, State, il y a quasiment 20 000 personnes. Ampéance de fou. Imagine le bordel. Donc très intrigant, très intriguant, et attention, ça ne va pas être fini. Puisque, bon, Jade Jamson, elle va rester sur sa position. Taz, contre Vader, match non sanctionné, sera le main event du show. On va fermer les lumières, tu vois, comme ils ont fait là récemment chez les Tracing. On ferme les lumières, match non sanctionné, Last Man Standing. voilà. Segment suivant, puisque ce n'est pas tout de suite un match, New Jack et Mustafa Said viennent au ring. Euh, ils étaient censés affronter normalement Sexton at Castle et Christian Cage à Hardcore Even dans un match Hardcore justement, match par équipe Hardcore. Ce qu'ils sont venus pour ça, pour dire c'est quoi ces deux blondinés là qui prennent un petit peu la, la place de, des gangstas au sein de la ECW. On a été virés comme des balles propres, et on voit ces deux Nabus, ces deux rigolos tu vois, euh, venir être les, les nouvelles stars de cette division par équipe qu'on a construit pendant des années à la ECW avant de se faire euh, lâchement virer. On est là pour passer des messages et apparemment Sexton at Castle se serait blessé. Hein et voilà, il le traite de pussies, hein, petite chatte. Ça se fait pas. Sexorad Castle et Christian Cage, ils viennent et malgré que euh, Sexorad Castle soit blessé, il accepte d'aller affronter New Jack et Mustafa Saed dans un match de contre 2, Grosse tension, énorme segment puisque ça fait quand même un 91 euh, particulièrement chouette. Sexorad Castle et Christian Cage font une super promo, apparemment New Jack aussi. Mais New Jack, voilà, ça doit être un con, mais c'est quand même un peu... Un peu super, il euh, y a une grosse défiance entre les hommes. Et derrière, on a un match hardcore entre les suicides blondes et les Gangsters. Dans un match qui a eu du très bon catch, une bonne hit. Les suicides blondes vont battre les gangstas, puisque je les ai pris pour un mois, faut pas décoller. Quand Sexto Castle va battre Mustafa Saïd par pitfall après une double spire. Mustafa et était le weak link. La blessure de sexton à Castle. Euh, voilà. À... Malheureusement, contribuer aussi à ce que le match soit un peu moins bon, mais ça, pardon, ça va, qu'il faut quand même un 80 qui est plutôt très bien. Super chemistry entre Sexton Hardcastle et Christian Cage. Les notes globales sont plutôt correctes. Sexton Hardcastle fait un 76, mais Christian Cage fait 80. Nujack un bon 73 et un 55 pour Mustafa Sen. Pour un match par équipe, 80, c'est une très bonne note. Et euh... on laissera un peu se reposer, bien entendu, Christian Ke euh, pardon, euh... Sexton Hardcastle après ça. tu vois. Au moins, j'étais jusqu'au bout de mon idée. Je peux encore faire catcher euh, Sexon Castle, Ça me fait 80. La blessure, c'est pas aggravé. Euh, Christian Kent, j'ai pas l'aise dans les matchs hardcore. Pour Sexon Castle, de ce côté-là, ça va mieux. Et derrière, Tommy Dreamer va profiter que Kurt Henning, euh, jay Jameson, tu vois, soit un peu inquiété avec ses histoires de Taz, Raven, tu vois que c'est un peu le bordel. Euh, Tommy Dreamer va en profiter, va essayer de tirer profit de cette situation délicate et va appeler Kurt Henning au ring pour l'affronter tout de suite. Voilà. Il a dit. Bon, apparemment, on va pas être le main event, alors que c'est le championnat de la ECW. Ça, je m'en fous d'être le, le main event, dit uh, Tommy Dreamer à Kurt Henning, moi, ce que je veux, c'est mon match, maintenant, Kurt Henning, toi contre moi, un contre un, dans les règles, euh, c'est parti, 83, Eh ben, Kurt Henning, il fait ok, bon, il est un peu gêné, parce que, même s'il a quand même recrute pour couvrir ses arrières, bah, il a pas de gêne, tu vois, et euh, il doit prendre un peu ses responsabilités, jusqu'à présent, il était un peu couard. Et derrière, on a le match, dans un match exceptionnel, Kurt Henning va battre Tommy Dreamer en 15 minutes 26, par pitfall, après un roll-up plutôt rapide, tu vois, avec peut-être un arbitre un peu corrompu, on sait pas trop. Kurt Henning fait sa neuvième défense du championnat ECW World Heavyweight, et bat de ce fait Tommy Dreamer. Eh ben non, j'ai pas fait le changement de titre à ce moment précis, au moment peut-être où vous y attendiez le plus. Il n'a pas encore signé avec WCW, et même s'il signe, j'aurai encore 7 jours. On fera ça à Record TV probablement. Joey Styles et Eric travaillent bien, etc. Tout va bien. La performance de Henning est quand même exceptionnelle. Là, il me fait un 91, ce qui est loin d'être décollant. 77 pour Toby Dreamer, ce qui est un peu pénalisé forcément, c'est que c'est un match simple. Voilà, il n'y a pas beaucoup de risques. Match au simple, j'ai pas fait un classique CW Rules Batch. Voilà. Victoire de Henning sur euh, Toby Dreamer. La storyline ne se termine pas là. Se termine pas là, ce serait trop beau. Je rappelle que la storyline, c'est Henning, visage ou nom de la compagnie. Hein, Posez-vous les questions. Derrière, Terry Funk continue avec Jada Jackson. Continue de l'harceler, de lui dire ne fais pas ce match, ne fais pas ce match. Tu vas avoir du sang sur les mains si t'acceptes de donner Vader contre Taz et, et même le manque de respect. Tu, tu sais quoi Hop, je te fais un procès. Voilà, j'en ai rien à foutre. C'est Terry Funk qui fait. Je te fais, je te colle un procès au cul. Voilà, il s'en fout. Terry Funk. Il fait, non, procès au cul. Merde, Jada Johnson, elle fait. Qu'est-ce qui se passe Terry Funk. On lui a pas donné ses cachets. Il devient bien vieux. Il... Quoi Terry Enfin, se calme, histoire de faire calmer de calmer un petit peu l'ambiance, la, parce qu'on a d'avoir quand même un gros match, gros segment, tout ça. Rocky va faire équipe avec Kara Techno, Doug Gilbert et euh, le Techno Kid, bon, Techno Kid qui n'est pas dans la de Alliance, mais bon, hein, euh, c'est peut-être un test pour lui. Ils affrontent Ayabusa et euh, Chris Benoit et Dean dans un match qui est là pour calmer un petit peu euh, l'ambiance, hein, voilà, calme the crowd. Euh, dans un match qui a eu du bon catch, du centractions de la part du public, Aya Boussa, Chris Benoit et Dimenko vont battre Rocky Mayavia hein, et Kara Techno quand Chris Benoit va battre Doug Gilbert par soumission. Le Techno Kick était évidemment le weak link, mais bon, je pense qu'il va gagner en expérience. avec ce genre de match, il fait une note de 59, Gilbert 50, non, 42, Gilbert 59. Il y a un 73 pour Rocky qui est très bien, voilà, Dimenko 83, 87, évidemment, pour eux. Chris Benoit et un bon 69 pour Aya Boussa, voilà, petit match euh, sympathique, et après on enchaîne, avec une grosse rencontre qui finalement, va pas marcher aussi bien que je l'attendais Brian Pillman contre Raven, dans un match hardcore, j'ai pas pu faire un Raven's Rules match, parce que c'est bien trop violent un Raven's Rules match, malheureusement, Brian Pillman il a fait je veux pas faire ça, un match hardcore il a dit oui, dans ce match exceptionnel Brian Pillman a battu Raven dans ce match hardcore 17 minutes 36 après un Air Pillman Raven a pris un stun bump durant ce match. Et il faut savoir que l'idée derrière ce bump euh, qu'a pris euh, Raven, c'est un bump pour, euh, c'est pas un crazy bump, c'est un stun bump, c'est-à-dire, voilà, comment dire, euh, il l'a jeté à la poubelle et hop, il euh, y a euh, le truc qui est passé, là voilà, dans la benne à ordures et la benne s'est refermée pour euh, dire quoi, il est mort. Ah, oh, waouh, wow, tu sais où c'est euh, Austin euh, qui renverse la bagnole, voilà, il a pris un truc un bump euh, stunt, donc ça laisse, tu vois, une image aux gens. Pourtant, ça fait que 75. Je suis un peu déçu. Raven, d'ailleurs, fait une super note de 84. La storyline... Alors, je sais pas pourquoi. The Best Active in the World Storyline Andy Diddy segment Je me suis trompé. Je n'ai pas terminé la bonne storyline. À la fin de ce segment. Mais quel gros con, Story. Story qui fait des fails dans tous les sens. Pas ta... De toute façon, elle pue, la storyline avec Billy Gunn et, et compagnie. Donc, bon, tant pis. C'est peut-être pour ça que ça affecte la note. 64. Je fais de la merde. Hein. C'est incroyable. Normalement, je devais terminer cette storyline. Ce n'est pas grave. Je la terminerai sur un segment. C'est aussi bien. Euh, J'en sais rien. Non, je vais peut-être refaire un match. Je referai un match. Match revanche euh, à Hardcore TV. Allez, c'est décidé. Voilà. Foutu pour foutu. Victor Brian Pillman, Donc, du coup, j'ai voulu calmer les gens derrière. Bon, oui, forcément, t'es pas bon en match hardcore, je sais. Donc, là, c'est à nouveau un segment pour calmer les gens. Dans un super match, les Spoking Guns ont battu les Dudley Boys. 12 minutes 27, match assez court. Alors Billy Gunn a battu Devon euh, Dudley par pitfall après le Sidewinder. Les Smoking Guns remportent les championnats de la ECW. Les nouveaux champions par équipe de la ECW sont les Smoking Guns. 5 utilisations. Vous avez bien compris, ça va tourner assez vite. Euh, Bubber et Dudley, Devon Dudley font une super vola. Billy Gunn fait une note de 59, c'est dégueulasse. Euh, Bart Gunn 64, je suis dégoûté parce qu'ils ont quand même 95 de chemistry, hein, les, les Smoking Guns. Et c'est une horrible... Acquisition finalement pour la, la ECW, ça a pas du tout marché. Les Smoking Guns qui deviennent les champions par équipe, ils battent les deux de Lise. Euh, euh, Voilà, hein, voilà. Les deux, bon, On récupérera les titres, voilà. c'était juste pour euh, occuper le truc, calmer un petit peu les gens. 71 ok. Derrière. Juste avant le main event. Hardcore Event. Terry Funk encore. Voilà. C'est le, le, le dernier espoir pour Terry Funk. Il va voir Taz. Dans son vestiaire. On a autorisé, tu vois, il y a un vestiaire. T'imagines, t'as un vestiaire, il y a deux vestiaires. Ils sont protégés par plein de membres de la sécurité. D'un côté, il y a Vader, d'un côté, il y a Taz. Et dans le vestiaire de Terry Funk, il y a Paul Heyman qui est à côté de lui, qui lui donne des, des précautions. On sait bien que P Taz, c'est un protégé de Paul Heyman. Voilà. Et Terry Funk vient les voir. Les mecs, c'est le dernier moment. Dites non, le faites pas. Quoi. Tu sais pas, Taz, euh, ce qui t'attend d'aller affronter Vader en un contre un. À... Moi, je le sais. J'étais l'affronter. Je suis sur le point de mettre fin à ma carrière. Ne fais pas le con, Taz. Ne fais C'est le dernier moment pour toi. 83, gros segment. Taz lui dit non. On va aller régler les comptes là maintenant. C'est maintenant. Ça va se passer. Le match est là. Qui me fait à 78, je suis un peu déçu parce que j'ai mis que ça allait être un spectacle. Voilà. Euh... Mais bon, Vador bosse aussi un peu blessé. Ça qui est pas forcément bien. Taz me fait une note de 90. Là, je commence à avoir des regrets. Taz et Henning, les mecs font des notes de 90, c'est chaud. 78. Dans un match exceptionnel, Vader va battre Taz en 17 minutes 57, quand Taz ne sera pas capable de se relever, relever après un compte de 10, suite à l'intervention de Terry Funk. Terry Funk a tourné il. Et ouais. Et ouais, comme je dis, il va falloir rééquilibrer un petit peu le haut de la carte. Terry Funk, je sais plus trop quoi en faire. Je fais tourner Terry Funk Hill. Ça va aider, je pense aussi, des talents à s'établir. Ça va changer un petit peu la donne. Terry Funk est désormais un mauvais garçon. Et a plongé la carrière de Taz vers le néant. Fin du show! 80. Speech! Évidemment. Alors, j'ai dit à Brian Pillman euh, qu'il pouvait faire un peu mieux, parce que je m'attendais quand même à une meilleure, une meilleure note finale du match, et euh, Pillman a une, une moins bonne note globale, donc euh, bon, je lui dis il n'est pas concerné pour l'instant, je me doute, mais attention Pillman, attention, hein, on n'a pas fait heureux de la recrue pour, euh, pour pas grand chose. Euh, Sexorad Castle, euh, que j'ai encouragé, que j'ai dit putain mec t'as catché aussi bien, blessé, c'est cool, et Paul Heyman, je lui ai dit aussi des bons mots, je vais profiter pour un peu complimenter Paul Heyman. Parce que, euh, il a des Morales issues que je peux comprendre. Je lui ai dit merci, Polyman, qui a été fantastique, voilà, pour un petit peu accompagner et Terry Funk, qui fait ce, ce turn, euh, très surprenant, en effet. C'est une manière pour moi de me sortir du truc. Et, et ce que j'ai peur, en revanche, c'est que, étant donné que j'ai pas utilisé beaucoup de catchers, dont Steve Austin, qui est signé mais qui est toujours pas utilisé, j'ai peur que lui fasse la gueule. Ça, c'est le truc qui me contrarie un petit peu. Euh, j'ai des messages. J'ai plein de messages. Ça va. Non. Big Moral Issues toujours pour Polyman, hein, Ça, c'est pas bon. Moral Issues pour le Lighted Kid. Ça, on s'en fout. Les mecs, XTV rating, 0.12, ça on s'en fout. Vader Opinion, Rocky Bayavia, is the star of, in the making, évidemment. Euh, on fait un 0.07, on a refait un, un aussi bon euh, rating de pay-per-view que la dernière fois. Que la première fois, je crois qu'on avait fait un pay-per-view, on avait fait un aussi bon euh, rating. Quelques petits problèmes avec ma lumière, voilà que je remets un petit peu plus correct. J'ai l'impression que j'avais un côté qui est, ou alors faut que je mette un peu plus comme ça. Bon, de toute façon, je vais faire des réglages lumière prochainement. Je m'éclate un petit peu avec mes lights. Euh, c'est euh, le bordel. Le Sandman s'est blessé. Ce con, voilà. Code cassé, super. Bah euh, ben Ça, je sais, ils ont des problèmes, ça, on l'avait déjà vu. Et Kurt Hennig a une offre de la WCW. Donc ça, c'est des choses que je savais déjà. Euh, par contre, euh, augmentation demandée par John Zanding, bon. 520, il veut passer à 860. 75%. Généralement, les mecs font pas la gueule quand on fait 75%, ça va. Pas Plus d'informations pour le moment, qui est blessé pour combien de temps Attention, ça, ça m'intéresse. Medicals, euh, kit cash, 3 jours. Ça, je m'en foutais de toute façon kit cash. Euh... Bref, le sandman, c'est 24 jours. Broken Ribs, mais je peux quand même l'utiliser. Je peux l'utiliser, verra bien. Et Vader, c'est encore 19 jours. Ok, oh, Van Damme, lui, c'est suspendu encore 19 jours. Très bien. Euh, au niveau des championnats, on va regarder un petit peu. Le championnat de CW, le prestige est à 85. Par équipe 77 avec les, les smoking guns, voilà, bon. Et XTV 75 pour le Sandman. Ok, ça ça me va. Storyline. Donc là, j'ai merdé sur pas mal de trucs. Curtaining, face de la UCW, 79. Ok. Loose Cannon, Nevermore, 78. Et Taz Vader. La storyline n'est pas terminée parce que je vais ajouter Ad Worker. Je vais ajouter désormais Terry Funk. Euh, add to Storyline. Major role aligné à Vader. Voilà. Comme ça. Taz, qui part Normalement, si je fais pas de conneries. Taz part quand Taz, ok. Euh, apparence. Pardon, 4 jours. Euh, ah, je ne sais pas si j'ai le temps de l'utiliser. Parce qu'on est dimanche. C'est mercredi le show. Donc je pense que c'est mercredi la dernière fois que je pourrai l'utiliser. Ça devrait être mercredi normalement. Si je ne dis pas de conneries. Oui, parce que Hardcore TV, c'est dans 3 jours. Donc ça va. On va pouvoir faire Taz, Terry Funk. Pour, euh, dire au revoir à Taz pour bon, finir le truc, ça, ça va être bien, ça va être bien, et on va clôturer la storyline ici euh, entre les deux. Bon, ça, ça me va, ça, ça me va très bien. On enchaîne, oh, quel épisode nouveau champion, de la New Japan Pro Wrestling, puisque Misawa est le nouveau champion, de la Baturic Steiner qui était champion et WGP. Pourquoi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fout à la New Japan? Euh, tu vas pas me dire qu'Awada il est parti champion, qu'il a lancé laissé le truc vacant, je sais plus exactement ce qui s'était passé. Euh, New Japan Pro Wrestling. Euh, ta, 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 New Japan Pro Wrestling. Attends. C'est quoi les titres Comment ça marche View Profile, Titles. Euh, au niveau des records, hop. IWGP Heavyweight. Si le titre était Kawada, il a. Putain, mais ils ont viré Kawada. Le mec avait rendu le titre vacant. Eric Steiner était champion euh, IWGP Heavyweight. C'est loin d'être déconnant cette affaire. Qu'est-ce qu'ils ont foutu avec Kawada Il y a des gens qui ont osé euh, prendre Kawada. Ils bossent quelque part. Toshiaki Kawada, non unemployed, partout. Et je sais pas pendant combien de temps ça c'est effectif. Hein. Ça n'hésitez pas à me, me renseigner. Euh, parce que bon, j'aimerais bien moi utiliser Kawada quand même. Même s'il a eu... Il a fait de la merde Kawada. C'est pas bon hein. C'est pas bien, hein. Attention. Oh, Kawada, cette histoire. Donc curtaining signe avec WCW. Je perds curtaining, je le perds quand View curtaining, je le perds. Ça va être 7 jours. Donc, euh, est-ce que je le perds la semaine prochaine, précisément Ou est-ce que je l'ai encore euh, pour le, le CW de la semaine prochaine Attends. Non, 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 ils me disent n'importe quoi. Là, ça ne va pas m'aider. Ça va pas m'aider. Non, non, non. non. Il, est terminé, là, il a 7 jours pour terminer son, son contrat. Euh, si je fais négocier. Non, c'est pas là. Si je regarde ici. Euh, 7 jours. Donc, euh, non, je ne l'aurai pas la semaine prochaine. Bon, donc on va lui faire paumer son titre là maintenant. T'imagines, il va y avoir un double main event. Euh, assez incroyable hein. euh, là pour l'épisode d'Arcor TV qu'on s'apprête à bouquer entre le Taz Terry Funk qui va mettre une claque euh, monumentale je pense au business et euh, le Curtaining qui on ne sait pas voilà qui euh, va être aussi euh, particulièrement euh, agité hein on découvrira ça les copains on est prêts, Arcor TV on va bouquer ça ça va être un sacré euh, merdier à faire backstage à oh la vache, on est parti. Bon, surtout que là, je dois composer avec d'énormes données. Je vous ai même dit qu'on allait faire un, un Pillman Raven revanche euh, sur hardcore TV. Ça va, c'est pas un perdu non plus. Je vais pas le faire. Non, on a la fin de Taz à bouquer, on a la fin de Curtaining à bouquer. Là, sur ce show, si je rajoute un, un nouveau Raven Brian Pillman, ça, ça n'aurait pas de sens, mais c'est pas grave parce que j'ai des éléments. Euh, je peux peut-être faire fonctionner encore les choses euh, différemment. Voilà ce qui se passe parce que là, là, là c'est pas mal. Euh... Why Terry Why Ça fait deux ans qu'on boucle la ECW, on a toujours utilisé Terry Funk comme un putain de babyface et là il tourne heal. Sur Taz. Donc voilà, les explications. On ouvre notre épisode de Hardcore TV avec les explications de Terry Funk. Terry Funk qui... collait des procès à tout le monde parce qu'on a manqué de respect à sa fin de carrière. T'imagines La fin de carrière de Terry Funk, on lui manque pas de respect monsieur. Et Taz qui écoute pas. Voilà, alors que Terry Funk... Depuis le début, dans, cette, dans ce monde, dans cet univers de la ECW, il met des sanctions, il fait le juge backstage, etc. Ça doit être lui, l'homme à suivre. Mais on l'écoute pas, Terry Funk, mais non, à chaque fois, on se dit, brof, vieux con, là, qu'est-ce qu'on va l'écouter Non Terry Funk, il se rend compte à quel point c'est la merde. Et c'est pour ça qu'il en a marre. Il en a marre parce que, déjà, J.A. Jameson, c'est peut-être la pire décision de la ECW. Pour lui, il comprend pas qu'un mec comme Paul Heyman ait réussi à se laisser marcher dessus, à se faire. Embobiné par euh, Jenna Jameson et ses talents d'actrice, hein, voilà, et ses avantages pour amener un mec comme Kurt Henning qui pollue euh, la compagnie. voilà, Là, c'est la promo de Terry Funk qui pollue la compagnie. Moi, je me laisserai pas avoir par ce genre de choses-là. Je suis Terry Funk, bordel. Jenna Jameson, il appelle Jenna Jameson au ring qui vient, qui dit Non, tu vas fermer ta gueule. Non, non, femme, tu vas m'écouter. C'est Terry Funk. Voilà, il y a un petit côté misogyne parce qu'on est quand même en 97 à <laughs> la CW Il fait Non, 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 avec tout le respect que je vous dois, madame. D'accord Ou femme, vous voulez, vous allez m'écouter. Je vais vous poursuivre si vous ne faites pas ce que je vous dis. Et si je vous poursuis, vous allez payer ça très très cher. Je suis Terry Funk, j'ai l'opinion publique avec moi, je suis de légende de la SW, je devrais être le premier Hall of Famer de la LCW. Vous avez gâché mon moment, vous avez autorisé deux hommes qui étaient suspendus à se battre dans le ring. Pourquoi Pour l'avarice Pouvoir de faire de l'argent Voilà Qu'est-ce que c'est que ça On est WWF Oh, ça shoot! On est WCW! Tiens, parlons de WCW Taz! C'est bizarre! Mais visage de la compagnie, euh, alors qu'on apprend que tu vas rejoindre la WCW Taz? Et Taz se pointe! Je vais je t'attarder de dire ça, t'as caché le plus grand moment de ma vie, je devais affronter Vader, c'était une rencontre qui était hyper anticipée, t'as venu me coûter la victoire, Taz veut affronter Terry Fug. Terry Fug veut dire ok, match du cercueil, celui qui se fait enterrer est enterré pour de bon. Quitte la compagnie! Et on le revoit plus jamais. Donc elle accepte, tu vois, le truc. Ok, badge le cercueil si vous voulez, démerdez-vous. Il y en a un de vous deux qui est de trop ici. Euh, vous me cassez les pieds. Euh, et... et il a pas fini, Terry Funk, lui demande, il exige, pour éviter de poursuivre Jenna Jackson de réinstituer Paul Heyman, en tant que General Manager, de, de lui redonner le pouvoir décisif. Demande à Jenna Jackson de démissionner de ses fonctions. Tu vois en parlant de la, de la corruption qu'elle utilise sur Curtailing, euh, ça va pas du tout, tu vois. Et Jada elle est un petit peu prise entre les pieds, euh, elle sait pas trop pour l'instant. Et on verra, on verra jusqu'où mènera euh, tout ce bordel. Mais tout de suite, là maintenant, après ce segment qui fait 86 de 8, qui fait améliorer toutes les storylines, Terry Funk contre Taz. Alors il faut savoir, il y a une chose très particulière avec ce match, c'est que Terry Funk est Taz. Euh, non pas une bonne chimistrie. Je le savais déjà. Ils se sont déjà affrontés, on m'avait dit, mauvaise chimistrie entre les deux. C'est pour ça, euh, ça clique pas, Awkward Boot, voilà. Euh, donc pas bien. Mais, termine la storyline ici, qui fait 77. Une performance de Typhoon d'ailleurs meilleure que celle de Taz 72. Dans un match qui est du, une fantastique 8 du bon catch, Terry va battre Taz dans ce casquette match, après que Taz soit enfermé dans le cercueil. Hop. Pendant le match, Paul Heyman, qui pourtant. Considère Taz comme l'un de ses protégés et est venu le trahir pour donner la victoire à Terry Funk parce que Terry Funk a raison. Mais entendu, il faut écouter Terry Funk. Et Paul Heyman enfonce Taz dans le cercueil, plante un clou, le met six pieds sous terre. On ne reverra plus Taz dans la compagnie. C'était son dernier match. Il a été trahi à la fin par Paul Heyman également et, et Terry Funk va, va être actif pour que Paul Heyman reprenne le contrôle de la compagnie. Alors, on sait pas, parce que bon, quelque part, on pourrait se dire Terry Funk, bon gars, tout ça. La vérité, elle peut faire mal, mais il euh, y a des huées hein, pour Terry Funk. Attention, hein, ça se passe pas forcément euh, très très bien. Et euh, on est en 97, il hein, n'y a pas encore Internet. Est-ce que les gens savent que Taz quitte la compagnie, véritablement Mais c'est dur, Taz quitte la compagnie. Bon. Derrière, Tommy Dreamer se fait attaquer par The Rock. Rien de plus. 82, gros segment, 82, énorme. Très bon segment. Il se fait attaquer par The Rock. New Jack contre Chris Benoit. Pour Rigoler euh, parce que bah, tant que j'ai encore New Jack ce mois-ci, autant faire des matchs et ça marche bien avec Chris Benoit, ça me fait un 81. Faut pas déconner, c'est vraiment très bien. Classique CW Rules match, 15 minutes 24. Pff, voilà, victoire de, de Chris Benoit. Derrière, Brian Pillman qui vient de battre euh, Raven, ça fait deux fois de suite qu'il bat Raven. Un message tout particulier pour lui il va dire, mec, je veux que Raven redevienne Raven. Ben ah oui Là, ah, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois, à être. Être trop sympa, tu vois, dans ce patch hardcore, t'as laissé euh, des opportunités euh, de, de me frapper avec euh, du barbelé, des chiennes, des trucs hardcore, des trucs à toi, quoi. Mais t'arrives plus à être Raven, t'arrives plus à être sans pitié, et, et c'est ça qui fait que t'es moins bon. D'ailleurs, j'ai une surprise pour toi, et on le voit, il a euh, kidnappé Kimura Waleya, la meuf de, de Raven. Il le suit partout là, depuis quelques temps. Il l'a kidnappé. Voilà, tu la vois, elle ligotée derrière, t'imagines le truc euh, bondage euh, avec euh, Asiatique. Voilà, tout ce que Vince McMahon ne connaît pas, quoi. Quoi, du porno asiatique, ça existe. Voilà, Kimona et Brian Pillman, voilà, il a les C'est très inspiré de cet incroyable programme à chier entre Brian Pillman et Goldust à l'époque où Pillman avait kidnappé Marlene. Voilà. On fait un truc similaire. Il a kidnappé Kimona, ou Pour rendre Even encore un peu plus fou. la storyline ne termine pas là. Donc, il tourne. Pauvre réaction parce que forcément derrière Kimona Waleya je pense que je vais la faire manager Brian Pillman mais son dernier turn est récent donc bon ça va pas être forcément très bien on va la laisser on va laisser travailler le truc un petit peu plus euh, mais je vais pas faire le, le, le turn maintenant hein, bien entendu derrière un match 3 contre 3 pour la décolle, les, les Dudley Boys qui ont perdu contre qu euh, alors qu'on qu fasse le point sur la situation Dudley Boys et euh, Smoking Girls les Smoking Girls qui sont devenus champions par équipe je peux encore les utiliser deux fois dans la compagnie, deux fois, donc là je vais pas les utiliser, les Dudley Boys font équipe avec le Sandman, qui est le nouveau champion de télé, ils affrontent Stevie Richards et les Dudes. ça marche pas terrible parce que ça fait qu'un 60, l'idée derrière c'est de donner une petite revanche à Stevie Richards dans un match 3 contre 3, où Richards va battre le Sandman par pitfall après le Stevie Kick. Euh, attention, parce que un des catcheurs a été peu impliqué dans le truc, c'est le Sandman, qui me fait qu'une note de 39, parce que je l'ai peu impliqué physiquement, parce qu'il a des codes cassés, mais Stevie Richards reprend du momentum sur lui, pour essayer, de, tu vois, de continuer de teaser des choses. C'est tout, voilà, c'est tout. Ça, ça donne un peu de momentum comme ça à, à des mecs qui en manquent cruellement, à savoir Al Snow et, et, et Bullpain. Voilà, je pense pas que ça soit euh, trop euh, néfaste. 60 pour le segment de writing, ça va, on s'en fout. Rick Rude et Kurt et sont dans Ring. Oh là là, on sait pas ce qui se passe, la Dangerous Alliance, là, euh, <laughs> avec J.A. Japson, Terry Funk, t'as vu ce qui se passe, hein pas mal, tu vois, ils discutent, tu vois, ils font les commères ensemble. Et c'est bizarre parce que vous discutez de plein de choses alors que vous vous rendez pas compte d'une évidence. Kurt Henning est toujours le champion de la ECW. Est-ce qu'on peut enfin dire que Kurt Henning qui a battu Taz, qui a battu Tommy Dreamer, qui a battu Raven, qui a battu tout le monde en réalité, Chris Benoit, tout ça. Est-ce qu'on peut le dire enfin que Kurt Henning est le visage de la compagnie Donc il va profiter que Tommy Dreamer justement s'est fait attaquer par son pote par The Rock pour lancer un Open... Challenge et mettre son titre comme ça en jeu, le mec se chauffe. Mais vas-y, je suis trop bien, je me chauffe. Je mets mon titre en jeu, de toute façon, qui va venir Hein Spike Dudley <laughs> Qui va venir hein 82, tu vois, il fait bien le truc. Qui va venir C'est Stone Cold Steve Austin Bien sûr, qui fait ses débuts, qui revient pour un petit 75. Pas forcément, euh, j'ai gêne. Mais il est là, 75, Steve Austin, dans un match exceptionnel. Steve Austin, backer tenning. 15 minutes 26 et remporte le championnat de la ECW. Nouveau champion de la. Direct quand il arrive Champion ECW, Steve Austin, on perd pas de temps Il clique pas d'ailleurs Ça marche pas entre les deux. Kurt Henning et Steve Austin, ça clique pas entre les deux. C'est pour ça que ça fait 75 parce que Henning fait 79. Austin, un petit 75, c'est pas terrible, hein. il fait des meilleures notes d'habitude. Donc bon, voilà. Steve Austin, nouveau champion de la ECW. Kurt Henning qui euh, a quitté la compagnie. Alors je sais pas si je vais pouvoir le réutiliser la semaine prochaine. Je suis dans le doute là parce que cette limite des 7 jours me. Me freine un peu, je vais peut-être pouvoir l'utiliser la semaine prochaine. Probablement, je voudrais peut-être faire quelque chose, mais on a un nouveau champion de la UCW. Steve Austin, on n'a pas pris de risque. Et, euh... et voilà, le show améliore la popularité dans 11 régions. Beaucoup de choses un peu bizarres hein, à faire. J'ai dû faire quand même deux matchs avec des mecs qui ont pas de bonne chimie, mais bon, Kurt Curtaining, Steve Austin, on sait que ça marchera pas et c'est pas grave. On fera, on trouvera d'autres chimies qui vont marcher. Des... La Pillman et Austin dans la même compagnie. Imagine, programme que je vais garder au show pour la suite. Austin qui fait un retour surprise pour bon, 75. Parce que dans le ring, pas... ça n'a pas été passionnant. 1.94. À mon avis, on aurait dû faire beaucoup mieux. Curtaining se barre dans 7 jours. Donc, ok. Kit Cash est en plateforme. <laughs> Taz a rejoint la WCW. Voilà, c'est tout. Faire avec. Titre Austin, 80. Fait baisser un petit peu la... le prestige du titre. Bizarrement. XTV demain et bilan économique du mois à suivre. Alors, Paul Heyman, a délibérément fait le choix d'étendre le contrat de New Jack. Délibérément, il a dit New Jack, on va prolonger son contrat. Alors que je l'avais pris que pour un mois. Euh, juste pour voilà, donner un petit peu, on étend le contrat de New Jack. Donc New Jack est euh, toujours avec la ECW. Je l'ai pas fait pour Mustafa Said. Hein. Mais bon, je vais pas les contrarier, pas les Polyman, il y a des gens en Big Boral Issues. C'est un peu complexe. Bon, à faire avec. Incident à XTV qui implique Gunn, Qu'est-ce qui se passe Bartgun s'est pointé tard. Bah fine, voilà, je cherche même pas, ça Bartgun. Il est content d'ailleurs. Je m'en fous, ça qu'est-ce qu'il vient nous faire. Alors, un angle avec euh, Alex Snow et Mustafa Said, 53. Pff, très bien, si vous voulez, qu'est-ce que je dois foutre. Euh, et un angle derrière avec Carrie Wolf et Bull Buster. Ok, 53 aussi. Des angles à 53, bravo. Les Pitbulls contre Moore et Helms, Encore Bon, les Pitbulls gagnent. Très bien. Soit 58. Steve Richards et Chavo Guerrero ont un angle. Ah bon Chavo Guerrero et Lady Alexandra sont une bonne paire et euh, apparemment ça marche bien. Très bien, impeccable. Bon bah alors, pas se plaindre. Lady Alexandra, ça marche avec tout le monde finalement. Euh, la meuf, quand même, c'est troisième catcheur qu'elle manage en, en l'espace de quoi Deux mois Pas banal, mais ça marche bien. Euh, ok, euh, ensuite on a eu Kit Cash contre Run Killings. Ah bon <laughs> R. qui a fait ses débuts. Euh, non, exi non existante hit, y a pas de hit. Les gens, qui sait euh, Ron Killings, ah bon Kid Cash, Baron Killings, dans ce match ECW en 8 minutes 53, après un bankroll. Voilà. Ron Killings fait une note de 16. Oh. Euh, gimmick de rappeur off full, ça va pas. Bon. Pff, peu importe. Bullpain et John zandig dans le main event. Bat, Steve Corino et Juventude Carrera. Ok. En 12 minutes 30. Euh. 51. Quel choix à la con. Pas assez de femme, bien sûr. Mais, ben oui, il y a que l'ady Alexandra. Il euh, faut que je mette Francine, il faut que je la fasse manager un babyface. J'en sais rien, qu'est-ce que je... Faut que je trouve une... Une meuf un peu random à faire manager euh, tout ce beau monde. Hein. Euh... Pff... Je vais trouver. Hein. Je vais trouver. Je vais trouver. Puisque j'y réfléchis pas pour l'instant. C'est pas ma priorité. Euh, Qu'est-ce que j'ai Des informations. Rating 0.13. Ce pas mal. Ce pas des pas Allez, on avance vers le moment que j'attends le plus, à savoir le bilan économique du mois. Et on va achever également les Honor Goals hein, euh, du niveau culte et euh, de la. Euh, comment dire Niveau culte et, euh, et les 550 000 dollars. Bon, qu'on a, hein, ça va, il n'y aura pas de, pas trop de soucis là-dessus. Euh, des informations, des news, non, ça on s'en fout. Jumbo Sorota qui améliore son. Enfin, qui étend son contrat à Cold Japan, très bien. Il est encore là en 97, le bon vieux Jumbo. Hein. Bon, allez La jatte. Hein. Deux années dans le jeu. Deux années dans le jeu. C'est pas mal, hein C'est pas mal, deux années de booking. 33 épisodes de cette incroyable carrière. CW et un épisode en tout cas qui a encore euh, euh, vu un nombre de surprises incroyables. C'est fou, 371 dollars de profit. En fait on aurait pu signer toute la terre, il hein, n'y a pas de... On va filer des contrats signés à tout le monde. Hein. Euh, Sean Watman tient reçu une offre. S'il veut, bon, peu importe. Euh, mes objectifs ont été obtenus CW, la size est obtenue et euh, l'argent bien entendu est obtenu facilement. On arrive à faire ça dans un, dans un, dans un, en un mois. EWF et ECW sont désormais hostiles. IWA, MITSA ou CECW sont hostiles. Très bien. Et Sean Whitman, comme on l'a vu tout à l'heure, a eu une petite offre. Bien Paul Heyman a toujours des big moral issues. Tout va bien. Donc, leur our il n'y a, plus, y a plus, quasiment plus grand-chose. Vader doit garder sa popularité euh, aux états unis en moyenne à 71. Donc ça, c'est pendant deux années quand même, c'est pas, pas banal. Euh, dans 4 mois, je dois pas euh, embaucher des gens qui ont moins de 35 en selling, et un an encore pour les 35 en toughness. Il y aura peut-être d'autres euh, choses, d'autres objectifs qui vont être fixés par Paul Heyman prochainement. On découvrira ça. Euh, sinon, finance, c'est ce qui m'intéresse. Alors, finance, qu'est-ce qui a euh, très bien fonctionné On a 1,7 million, c'est pas mal. Pay-per-view revenu, 119 000 euh, dollars, mieux que le mois dernier, encore. Ticket sales, 988 000, équivalent au mois dernier. TV Revenue. Alors TV Revenue, oui, forcément, euh, 297 000 dollars, ça reste pareil. Sponsor, équivalent. Merchandising, on en a vendu un petit peu plus. Le MISC est pareil. Worker, ça coûtait un peu plus cher. Normal. J'ai utilisé quand même pas mal de, de grosses stars. Euh, show Cost, un peu moins. Euh, Peut-être parce qu'on a moins été présent dans la State aussi. Marketing, 175 000. Ok, pareil. Merchandise, forcément, on a créé plus de merchandising, ça nous a fait un peu plus de, de coûts. Production, équivalente. Dojo, un peu plus de coûts, ok. Et le MISC à 223 000 contre 457, où on avait euh, filé de la thune à tout le, tout le merdier. Euh, par contre, j'ai bien été taxé. Mais bon, ça va, quoi, ça va. Euh, C'est-à-dire que là, euh, on n'est pas trop mal. Je peux même essayer d'aller entrevoir du côté des productions, tu vois, à améliorer peut-être un peu mes productions Non Qu'est-ce que vous en pensez Peut-être quelque chose à faire là-dessus Regardez par exemple, Broadcast Katie, si on passe de in-house au truc supérieur, ça nous coûte quoi 15 000 dollars là tout de suite, et une fois regardé, 20 000 dollars par mois. Ça, ça va, on peut prendre en charge, voilà, on passe à industrie standard. On va s'améliorer quand même. Euh, production Valouge, c'est quoi 5 000 dollars maintenant, ok, et euh, ensuite c'est 15 000 dollars par show, et 5 000 dollars par show. Et franchement, là du coup, on peut avoir une rampe d'entrée, euh, de la pyrotechnie, euh, genre de conneries là, vas-y moi je fais. Moi, je fais ces trucs-là. J'ai regardé un petit peu les rivaux. On va se mettre un petit peu au-dessus de tout le monde. On va euh, passer un cap. Visuellement, on va être encore plus joli. Live euh, ex event experience. Qu'est-ce que ça coûte 5000 dollars maintenant. Une fois bradé. Euh, your cost will be... D'accord. 20 000 dollars par mot et $5000 dollars par show. Vas-y, ça, je fais. Je prends. Euh, et euh, musique. Musique, 5 000. 15 000 par mois. Vas-y, je prends aussi. Voilà. Et euh, là, on passe à un niveau, tu vois, supérieur. On fait de l'argent. Je perds des stars, mais à côté de ça, on passe un cap en termes d'image et de, de présentation. Vas-y, moi je prends en direct. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé, il y avait Tomaki Onma. On l'avait pris ou pas Avec Ishi, je sais plus ce qu'on avait foutu avec Onma. On l'avait pris Parce qu'il a des bonnes stats en hardcore, lui. Je sais plus du tout. Euh, parce que ça, ça m'intéresse de signer un petit Onma, un mec qui a... qui a un peu de skill en hardcore. Tu sais, les mecs en hardcore avec qui on fait jamais rien, quoi. Moi je prendrais bien un petit Toa en on the pour la déconne, euh, avec un pay par apparence, hein, voilà, on va commencer par un truc euh, lège, euh, voilà, 220$ c'est bien, trajet non couvert, euh, et qu'on mettra voilà, dans les catégories hardcore pour essayer de, de, de l'élever. Euh, parce que moi il y a des stats qui m'intéressent, 68 en hardcore, 58 en brawl c'est pas mal, Basique psychologie c'est à travailler évidemment, euh, il a 20 ans, euh, babyface il sait ça, ça progressera. star quality il y a 63... Voilà, 220 dollars, des petits mecs comme ça en hardcore, ça peut toujours m'intéresser. Euh, j'ai avancé, je sais pas pourquoi, parce que c'est le moment où on va se dire au revoir pour terminer cet épisode numéro 33, un peu hallucinant, où je vais devoir penser à comment, voilà, me projeter, parce que là, j'ai fait plein de mouvements sur ces shows où euh, on a mis Austin champion, on s'est mis avec, euh, on s'est mis en situation euh, vraiment assez délicate. Je vais devoir repenser à plein de choses. La Dangerous Alliance, elle saute, elle aura plus rien à voir avec quoi que ce soit. Je vais devoir repenser à plein de trucs narrativement. Hésitez pas, hein, soumettez-moi des. Des conseils dans les, dans les commentaires. Euh, parce que, voilà. Oh, bah, t'as vu, j'ai changé ma qualité que SMW. Euh, ils nous ont suivis. J'ai des nouveaux goals. Ou allez les voir tout de suite. Allez, comme ça, c'est pas mal. Billy Kidman, extension de contrat. Orlapner, contrat avec WWF, ça, je m'en fous. Euh, nouveau Honor Goals. Comme ça, on terminera là-dessus. Donc, ça, c'était encore ce qui était euh, mis en place. Attends. Euh... Alors, la ECW doit. Être au dixième au niveau des rankings, mais on est déjà dixième. Donc je dois être au minimum, ça, c'est ça, peut-être Ok. Euh, oula, balance ECW, on doit être au moins à 2 250 000 dollars. On a deux ans pour le faire. Ça, je peux le faire. Ça, je peux le faire facilement. Euh, ça, c'était en cours. 35 ans, c'était en cours. Toughness, c'était en cours. Désormais, je ne peux pas recruter ou étendre le contrat de qui que ce soit qui a une réputation dans l'industrie à moins de 53. Ça, c'est un sacré challenge. C'est un sacré challenge parce que je suis sûr que j'ai pas mal de catcheurs qui sont déjà dans ma compagnie, qui ont pas ce niveau-là de réputation. Par exemple, New Jack, dont le contrat a été renouvelé là à l'instant par euh, notre, notre bon ami euh, euh, Paul Heyman. New Jack, je suis sûr et certain que si je faisais negotiate, attends, on peut voir, on peut voir euh, la réputation, réputation. Ah non, il a à 81. Il a 80. Je crois avoir des mecs à 53. Je suis sûr et certain qu'il y a des mecs à 53. Je vais regarder, je vais essayer d'en trouver un. Hein. A ah, Chris Chetty, par exemple, 55, c'est juste. Danny Doring, 51. Alors lui par exemple, je ne pourrais pas le, le renouveler. Voilà, si je devais le faire, je pourrais pas le renouveler Danny Doring parce que la réputation, je pense que c'est vraiment là pour les catcheurs euh, pas trop connus. Ça va être difficile, tu vois, d'avoir des catcheurs un peu inconnus au bataillon. Donc euh, même tu vois un Tomoaki <laughs> qui doit pas être dans les, dans les clous. Tia Jameson, on est juste, hein. T'imagines 54. Il va falloir travailler ça. Hein. Mais bon, je pense que ça, c'est une valeur qui doit augmenter euh, avec Jamson parce qu'elle fait quand même un incroyable travail hein, au sein de la compagnie. Alors, Ertrus, par exemple. Run hein, Killings, 52. Ça, normalement, je pourrais pas, tu vois, l'étendre ou le signer si ça s'améliore pas. La chimie est pourrie. Encore, je vois. Rappel Rate Raid Fool, Horrible. Bon, c'est globalement tout ce qu'on a. Hein. Euh, donc, j'ai à bouquet. Donc, pour le prochain épisode. Confra, euh, évidemment. Bah oui, on va le faire. <laughs> Mais, bien sûr. Kurteling quitte la compagnie demain et en même temps, demain, c'est le jour où j'enregistre Hardcore TV, donc je vais peut-être avoir Curtaining, je sais pas encore, euh, pff, et euh, tu sais quoi, on va pas se faire le suspense, on va voir, voir si le fail va jusqu'au bout, je vais avancer, je vais voir si Curtainning, samedi, il a quitté la compagnie ou pas, quoi. Moi, je sais si j'ai fait le con, sinon j'aurais travaillé un petit peu ce programme avec Austin, et sinon je vais donner un, un beau dernier euh, combat, un beau dernier au revoir à, à, à notre bon ami Curtainning, mais qui, voilà, rejoint la ECW, donc, euh, quelque part, euh, voilà, j'ai pas, aucun regret. Kurt Henning nous a officiellement quittés. Voilà, comme ça au moins, j'ai tout fait au bon moment. On a perdu grave de ce fait en prestige en momentum. Momentum, on était à plus de 80, là on est passé à 76 parce qu'on vient quand même de perdre deux de nos plus grosses stars. C'était des risques à prendre, évidemment. On va redynamiser tout ça. Faites-moi confiance. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à la prochaine. C'est Testuri, ECW. On est tous bien, on reste fort. Ciao, bye bye.